Comme tu veux. Nos deux introductions sont présentes. Bon, j'espère que vous m'entendez malgré le masque, parce qu'on est non seulement en distanciel, mais en mesure de barrière sanitaire. Attends, tu permets, je voudrais juste saluer le professeur Valencien que je n'avais pas vu là dans la petite fenêtre. Merci professeur de votre présence et bienvenue. Excuse-moi Isabelle, c'était juste... Je vous prie Sylvain, je suis ravie d'accueillir autant de monde pour ce deuxième volet du séminaire de l'IHEST sur la construction d'une souveraineté sanitaire en France et en Europe. Et Sylvain, je vous passe tout de suite la parole pour quelques mots d'accueil. Merci beaucoup Isabelle. Donc, cher monsieur de Taxi de Poète, cher professeur Valencien, mesdames et messieurs, je suis vraiment ravie de vous accueillir pour un séminaire numérique sur la transformation numérique en santé. Ça veut dire que finalement, il n'y a pas que la santé qui est frappée par le numérique, la formation aussi, et on est nous-mêmes engagés dans la transition numérique. Je voudrais aussi préciser que c'est un sujet qui est au cœur des formations de l'IHEST depuis 3 ans, que cette question de la transition numérique, avec d'ailleurs la transition écologique, qui sont les deux grandes transitions de ce siècle. Bon, rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas l'IHEST, l'IHEST est un institut de formation entièrement public sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Et il a été créé en 2006 pour mettre en évidence la place des sciences dans la société et pour sensibiliser les cadres de la nation sur les politiques de recherche et d'innovation. En ce sens, il a la même mission que d'autres IHE des ministères publics, dont le plus connu est l'IHEDN de la Défense nationale. Donc l'IHEST organise chaque année un cycle de formation long qui est certifiant. Il certifie les auditeurs à l'utilisation de la démarche scientifique dans la prise de décision. Il réunit des populations de hauts responsables d'origine socio-professionnelle qui sont différentes. C'est donc une formation inter-institution. Et il les forme à la préparation et à la prise de décision éclairée par les sciences et la démarche scientifique. Mais l'IHEST organise également des cycles courts grâce au soutien de la Caisse des dépôts Banque des territoires et des séminaires qui sont soit en territoire, soit en région parisienne, en présentiel ou à distance, sur des sujets à fort enjeu sociétaux. Toujours selon la même méthode, éclairer le sujet par des experts et des chercheurs de différentes disciplines et débat avec les parties prenantes. Et c'est exactement ce format-là que vous allez suivre aujourd'hui. Sur le thème de la santé que nous avons choisi, c'est un enjeu majeur, évidemment, pas seulement par effet d'opportunité lié à la COVID, bien évidemment, mais parce que la santé est un des grands défis de ce siècle pour l'humanité. Les chercheurs développent aujourd'hui le concept de « one health », une seule santé, celle des humains dépendante de leur mode de vie, dépendante de celle de la santé des animaux, dépendante de la santé de notre environnement naturel et anthropisé. Et à ce titre, d'ailleurs, le virus SARS-CoV-2 est révélateur de ces problématiques qui sont véritablement complexes et systémiques. Donc la santé est un enjeu mondial et fait partie des 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Par ailleurs, mais ça vous le savez aussi bien que moi, la santé a toujours été dans les priorités de l'État français. Donc depuis la fin du 19e, c'est ça aussi qui nous intéresse particulièrement à l'IHEST, la santé a été l'objet d'innovations, de progrès spectaculaires qui sont liés à la technologie et à la recherche scientifique fondamentale ou technologique. Elle est donc un des secteurs où recherche fondamentale, recherche appliquée, innovation, industries sont vraiment interdépendants. Donc, c'est ce continuum recherche-innovation-industrie qu'on a réinterrogé lors d'un premier séminaire santé cette année, le 2 juillet dernier, dont vous avez la synthèse complète sur notre site web. Et ce premier séminaire avait fait le constat de l'importance majeure des données de santé. Il y a bien d'autres constats dans cette synthèse, mais là, j'insiste sur le point qui nous permet d'introduire notre thème d'aujourd'hui. Donc, l'importance des données de santé pour accélérer l'innovation. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est parce qu'on a des données de santé qu'on a pu mettre sur le marché les vaccins aussi rapidement, et c'est parce qu'on a des données que nous identifions les variants, c'est parce qu'aussi on a des données
qu'on peut voir les effets du vaccin. Bref, les données de santé sont indispensables, mais le numérique est plus large que ça. Il s'est aussi largement implanté dans le secteur de la santé, ben, évidemment l'imagerie médicale d'abord, les robots chirurgicaux, la télésurveillance, les téléconsultations, tous ces éléments sont des sources de progrès considérables. Pour autant, ces progrès ne sont pas exempts de risques, et ça c'est quelque chose que la fin du XXe siècle nous a appris, le progrès est lié au risque. Que deviennent nos données personnelles si elles sont mal protégées? Que devient la relation patient-malade si elle est remplacée par des machines ou des algorithmes? Quelle place donner aux professionnels de santé? Quelles conséquences sur la formation, sur l'emploi? Quelle rentabilité économique? Bref, un ensemble de questions sociales, culturelles, économiques, de souveraineté que nous allons poser cet après-midi avec vous. Et il se trouve que c'est le bon moment. Au 1er janvier, tous les citoyens auront un espace numérique de santé. Le système de santé est sous les projecteurs, notamment depuis mars 2020, mais c'est quelque chose, c'est une lame de fond. Le besoin de consommer de la santé est lié à la démographie et va s'intensifier compte tenu du vieillissement de la population européenne. Or, nous avons pu constater que le système de santé est d'une grande fragilité, que cette fragilité, d'ailleurs, elle est perceptible par chacun d'entre nous. C'est toujours la galère quand on a besoin de consulter en urgence un médecin généraliste. Donc, le secteur a donc un grand besoin de transformation. Et la question est, le numérique est-il une ressource? Est-il la ressource ou est-il une des ressources pour cette transformation? J'ajoute que l'agenda politique nous favorise avec la présidence française de l'Union européenne, puisque la question de la santé est aussi une question au cœur des problématiques européennes. Et l'agenda politique nous favorise aussi avec les présidentielles, à condition que la question de la santé sorte dans le débat public comme un vrai enjeu majeur, au détriment d'enjeux qui paraissent plus médiatiques. Donc le thème de cet après-midi est donc d'une brûlante actualité, et nous avons besoin de vos éclairages, de vos échanges, de vos réflexions, qui vont être une pierre précieuse à apporter au débat. Et nous en transmettrons la synthèse que va rédiger Catherine Véguillot sur la plateforme de la conférence pour l'avenir de l'Europe. Donc j'espère que vos travaux aussi pourront nourrir la réflexion liée à la PFUE, à la présidence française de l'Union européenne. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un excellent après-midi. Isabelle, ton micro est coupé. J'essaye de me débrouiller avec tous les écrans. La Caisse des dépôts est donc à l'origine de ce séminaire et nous avons le plaisir d'écouter Adèle de Taxi du Pouet, qui est responsable santé au sein de la direction des politiques sociales de la Caisse des dépôts. Adèle, je vous laisse nous expliquer en quelques minutes pourquoi la Caisse s'intéresse à ce thème et puis nous présenter qu'est-ce que ce thème vous inspire, notamment à l'aune de la pandémie que nous vivons, comme je le porte sur la figure. Merci Adèle, je passe la parole. Je vous remercie, je vais être très bref puisque Sylvain a bien passé le panorama. La Caisse des dépôts s'intéresse à la santé depuis de nombreuses années. La présence n'est pas visible. S'intéresse de différentes façons. D'abord, un groupe financier industriel au service de l'intérêt général et du développement économique du pays. Attention à la fois nationale et en proximité, d'où nos territoires. Le partenaire dans ce pays. On a une double approche. On vous entend pas très bien, Adèle. Peut-être que vous pouvez couper la caméra, non? Si c'est un problème de liaison. Et la caméra. Ça va mieux? Oui, a priori. Oui. Oui, donc je vous disais que le dépôt est présent en matière de santé depuis de nombreuses années. Il est à la fois avec une logique financière qui est celle que porte la Banque des territoires en réponse aux besoins des territoires, justement, mais il est aussi de manière plus
économique avec la BPI. L'action est de porter des licornes en faveur de nombreux secteurs, dont celui de la santé. Mais c'est également un groupe industriel avec, comme vous le savez, le groupe La Poste, qui a rejoint la Caisse des dépôts l'année dernière, mais aussi un certain nombre d'autres filiales, telles que I4 Santé, qui est la première foncière immobilière de santé, ou TransDev Healthcare, qui lui-même est le trois premiers transporteurs financiers du transporteur sanitaire de France. Il nous amène à avoir une intervention assez importante en matière de santé numérique, puisque nous sommes en train de faire le recensement et avec une ambition de créer des entreprises de santé numérique du groupe des dépôts. Nous avons recensé une trentaine d'entreprises qui sont sur le champ de la santé numérique, hors biotech et medtech, qui relèvent d'une autre logique que celle qui partageait de façon transversale au sein du groupe des dépôts. Les réflexions que nous avons et que nous partageons, enfin, qui ont déjà été évoquées par Sylvain, c'est que, de fait, la pandémie fait que je ne pense pas que l'on puisse désormais approcher la question de santé après la pandémie comme on le faisait avant. Celle-ci a largement démontré et accentué toutes les fragilités du système. Elle a aussi été l'occasion de nombreuses innovations, dont l'explosion de la santé numérique. Et elle pose aussi une question de santé publique plus. A été évoqué l'ODD numéro 4 sur la santé, 3 ou 4, j'avoue que je ne me souviens plus. Et on peut se demander si, de fait, il ne faudrait pas réévaluer la place des politiques de santé dans les politiques publiques, avec notamment un indicateur qu'on a commencé à faire autour du bien-être. Ce qui est en réflexion, notamment en Nouvelle-Zélande, en Californie, en Finlande, ou voire plus proche de nous, en Écosse. Au-delà de cela, les questions que nous nous posons, elles ont été déjà évoquées par Sylvain et moi, on assiste à un foisonnement d'initiatives de santé numérique qui sont présentes sur l'ensemble du parcours de soins, qu'il s'agisse de la prévention comme du suivi des maladies. Si l'on raconte la biotech, on nombrerait deux entreprises de santé numérique, de healthcare, donc un mouvement assez puissant, avec un secteur qui commence à se structurer avec des alliances entre les labos et les startups, entre des éditeurs et des startups, entre startups elles-mêmes ou avec des hôpitaux. Pour autant, la situation reste très paradoxale, me semble-t-il, parce que si la santé numérique embarque des enjeux de santé auxquels elle est elle-même confrontée, les mêmes difficultés, qu'il s'agisse des usages, et ça a été évoqué aussi, la façon dont on peut traiter les données, alors qu'un total moyen a une trentaine de logiciels différents, interconnectés entre eux. Donc la question de la fluidité et de la façon fondamentale. De même, la multiplication des applications ne donne pas forcément un outil à la main des médecins, mais la multiplication d'applications en elles-mêmes pas forcément toujours interopérables, et donc des problèmes d'usage qui sont loin d'être négligeables. De même, on peut se poser la question de savoir si le numérique n'est pas aussi un peu en contradiction avec la notion centrale de médecin traitant. De la même façon, on peut craindre une certaine ubérisation des les plateformes deviennent la plateforme de distribution, en tout cas, de l'ensemble des actes médicaux, et ça se produit dans d'autres secteurs, donc il y a des interrogations à poser. Et le dernier sujet nous apporte beaucoup, c'est qu'on se rend compte que les modèles économiques sont très fragiles, en dépit de perspectives de marché qui apparaissent assez attirantes, puisque là, encore une fois, France Biotech, en 2030, le marché de la santé numérique devrait avoisiner les 4 milliards d'euros. Mais on se rend compte quand même qu'on est sur un système très paradoxal et très fragile, avec des levées de fonds significatives pour les startups, qui se traduisent vraisemblablement par des valorisations qui sont vraiment exceptionnelles et qui pourraient potentiellement conduire à une bulle, mais
avec parallèlement des investissements publics très importants et malgré tout, et un marché qui reste extrêmement incertain dans la mesure où la plupart des modèles économiques reposent actuellement sur des crédits expérimentaux, où les impacts médicaux et économiques des applications n'ont pas été encore stabilisés pour la plupart d'entre eux, ce qui se traduit notamment par des coûts élevés d'acquisition des patients pour les différentes entreprises. Ça se traduit également par des difficultés de terrain d'expérimentation sur lesquels expérimenter justement les proposés. Et alors qu'on peut craindre qu'une fois le quoi qu'il en coûte terminé, les logiques de cœur ou de maîtrise budgétaire aillent à l'encontre avec les perspectives de marché. Un certain nombre de questions que nous nous posons, qui ne nous empêchent pas d'avancer, mais en tout cas qui sont des questions auxquelles vous allez contribuer à répondre. Et j'écouterai avec beaucoup d'intérêt toute cet après-midi de débat. Je vous remercie. Merci beaucoup, Adelph. Je ne suis pas sûre qu'on pourra répondre à toutes les questions. Je crois qu'on aurait pu faire 2 jours de séminaire sur ce thème, mais on va essayer de progresser un peu. J'ai d'abord le grand plaisir d'accueillir Guy Valencien, chirurgien, professeur, académicien. Guy, vous avez perçu depuis très longtemps l'impact du numérique et surtout à quel point le numérique allait changer la médecine et le rapport médecin-malade. Vous êtes un observateur particulièrement actif de l'évolution du monde de la santé, un questionneur sans concession, notamment avec la convention CHAM que vous présidez. Et puis, vous n'hésitez pas à secouer vos confrères. Nous sommes donc très heureux que vous ayez accepté d'ouvrir ce séminaire en partageant votre vision de ce sujet. Et je suis ravie de vous passer tout de suite la parole puisqu'on a réussi à être déjà un petit peu en retard. À vous. Micro. Vous n'avez pas votre micro. Là, vous m'entendez? Très bien. Voilà, merci Isabelle et bonjour à toutes et tous. Alors, vous avez comme thème perspective de la transformation du système de santé par le numérique. Et je dirais que dans cette transformation que l'on voit aujourd'hui et qui s'accélère, il y a le meilleur comme le pire. Il n'y a pas que de la transformation positive. Mais je vais commencer par la transformation positive parce que c'est la plus importante à mon avis. Et il est vrai que l'univers numérique nous permet une facilitation et une optimisation de nos process humains médicaux et paramédicaux, à l'évidence. On le voit dans tous les domaines, que ce soit celui de la prédiction grâce à la génomique, et il n'y a pas de génomique sans numérique. On ne pourrait pas faire les calculs qu'il faut faire si on avait à prendre un tableau, une craie. Même chose pour la prévention, notamment sur le suivi numérique des indicateurs de performance, la possibilité d'exercice en commun, la surveillance de ce que l'on fait, de ce que l'on prend, de ce que l'on goûte, de ce que l'on court, bref, tous ces éléments de surveillance, je dirais, de nos corps. Sur le plan diagnostique, bien évidemment que nous avons la possibilité, deux types de possibilités. D'abord, par la télémédecine, de pouvoir ne plus être en présentiel pour un certain nombre de diagnostics qui n'ont pas besoin, à l'évidence, d'examen clinique. Il est clair que nous assistons peu à peu, grâce au progrès de l'imagerie, de la biologie dont je reparlerai, nous assistons à la mort de la clinique. Nous sommes dans l'anti-Foucault. Il a bien fallu qu'elle naisse, cette clinique. Elle a été grande et immense. Mais aujourd'hui, nous détectons des tumeurs qui font quelques millimètres, que la palpation est incapable de détecter. Donc, il faut se faire à l'idée que nous aurons de plus en plus de relations téléportées en médecine avec les infirmiers, les médecins, les kinésies, les kinés, les pharmaciens, bref, tous les professionnels de santé pourront communiquer entre eux et avec les patients de plus en plus grâce aux moyens numériques que nous connaissons aujourd'hui. Même chose pour la performance, donc à la fois de la biologie et surtout de l'imagerie, où on sait qu'avec des systèmes experts, les yeux, je dirais numériques,
d'une caméra peuvent voir des centaines de niveaux de gris quand nos yeux humains n'en voient que quelques 20 ou 30. Et donc, là encore, que ce soit en mammographie ou ailleurs, on est en train d'aller à des détections de tumeurs que l'œil humain ne voit pas. Sur une radio, l'expérience a été faite sur une radio pulmonaire, où on a comparé l'œil électronique numérisé et l'œil du pneumologue. Les pneumologues ne voyaient pas des tumeurs que voyait l'œil électronique. Donc, nous allons de plus en plus en amont dans la détection de la pathologie, jusqu'à penser demain, sur le plan de la thérapie, que nous pourrons effectivement ne plus avoir à traiter, mais là encore, à prévenir, ou si c'est à traiter au tout début, grâce à quoi ? Grâce à la vaccination. Et quand j'entends les affreux qui nous parlent de Big Pharma, qui gagnent des milliards et qui s'en mettent plein les poches, ils ne mesurent pas qu'on a besoin de ces milliards pour justement développer des vaccins anti-cancer. Et ces vaccins anti-cancer, dans les 20 ans qui viennent, vont totalement transformer l'organisation du système de santé en matière d'oncologie, en ce sens que le chirurgien que je suis va disparaître. Il n'aura plus de tumeurs à enlever, puisqu'elles ont été soit prévenues par un vaccin adapté, soit elles ont été tuées par un vaccin en tout début de croissance. Donc, c'est un changement énorme dans l'évolution des thérapies et des thérapeutes. On le voit dans tous les domaines de l'action. C'est pareil pour les maladies neurodégénératives, dont on sait que les équipes qui ont pu gagner effectivement tant d'argent, sur le dos des pauvres malades. Eh bien, ces équipes ont mis un paquet sur la détection et le travail de la vaccination des maladies neurodégénératives. Donc, on verra peut-être la disparition d'Alzheimer. Et cela à un horizon qui n'est pas très lointain, à celui de 20 ou 30 ans, une génération. C'est donc un tsunami qui est devant nous en ce qui concerne l'évolution et la transformation du système de santé grâce à tous ces outils numériques. Je continuerai en disant que dans la thérapie, l'utilisation des robots, tels que j'ai pu le pratiquer depuis maintenant, ce n'est pas nouveau, hein, ça fait 25 ans que les robots chirurgicaux existent. Je suis allé en l'an 2000 dans la Silicon Valley pour aider et former les ingénieurs de la compagnie Intuitive Surgical, qui a développé le robot le plus vendu au monde actuellement. Ils avaient besoin d'un chirurgien, on est allé travailler sur le sujet avec eux, et c'est vrai que ce robot a l'immense avantage de faciliter la gestuelle du chirurgien, et je dirais qu'en gros, il permet à des chirurgiens médiocres de bien faire, ce qui est parfait. Voilà, on ne demande plus à ce que nous soyons l'as de l'as avec la main verte qui est capable de tout faire. Non, le robot a l'immense avantage, par exemple, tout simplement, ma main, lorsque je tourne ma main, elle ne fait que, allez, 180 degrés. Si jamais je veux faire 360 degrés, il faut que je me bouge. Le robot, lui, fait le bras articulé du robot fait 360 degrés. Il peut le faire 1000 fois dans un sens, 1000 fois dans l'autre. Alors, il ne s'agit pas de réels robots, il s'agit de télémanipulateurs. Mais là encore, ces télémanipulateurs sont bourrés de systèmes électroniques et informatiques qui leur permettent 1000 fois par seconde de savoir où ils sont exactement à l'intérieur de l'anatomie humaine. Il en est de même pour le développement des exosquelettes qui vont aider à la fois les soldats dans les combats. Et c'est là, une fois de plus, c'est l'armée. Ce sont les armées qui sont les moteurs des progrès. Car je vous rappelle que c'est la DARPA américaine, la Defense and Research Agency de l'armée américaine des USA, qui a mis des milliards sur les petites start-up de la Silicon Valley depuis 30 ans. Donc, ne nous leurrons pas. Et l'armée française est très intéressée aussi par tous ces produits. Les exosquelettes développés pour les soldats servent aujourd'hui aux handicapés, aux tétraplégiques, aux paraplégiques, à remarcher, à remanipuler leurs membres. Même chose pour les prothèses de plus en plus électroniques, les prothèses, qu'elles soient manuelles ou pédestres, on arrive à des prodiges de réalisation, jusqu'au cœur artificiel, jusqu'à Carmat, qui est bourré d'électronique et d'informatique pour permettre à celui qui le porte de voir les pulsations adaptées à sa consommation énergétique. Donc, on est vraiment dans des domaines incroyables d'évolution, à la fois diagnostique et thérapeutique, qui bouleversent complètement le champ de notre bonne vieille médecine du temps du docteur Hector Bianchon de la peau de chagrin,
où notre ami Balzac racontait ce qui se passait, où le médecin était le tout-puissant, le roi devant les autres, l'infirmière n'étant qu'une petite savoir-faire à qui l'on donnait des tâches subalternes. C'est fini, cela. Et là, mes chers confrères, on en reparlera, ont du mal à le comprendre. Pour eux, c'est la fin d'un monde. Oui, c'est la fin d'un monde, mais il faut s'embarquer dans le nouveau. Et il est vrai qu'il n'est pas utile d'avoir fait 10 ans, 12 ans, 14 ans d'études pour faire des tâches de bac plus 3, 4 ou 5. On est là dans une erreur médico-économique flagrante. Il faut donc que le médecin reste pour les cas les plus difficiles, sachant que les infirmiers ont des compétences tout à fait notables, une capacité d'empathie énorme, parce qu'ils connaissent souvent mieux les malades que les médecins dans la mesure où ils vont dans les maisons. Un infirmier peut passer 3 ou 4 fois par jour, matin, midi, 16h et 20h, chez la même personne pour l'aider, pour lui apporter des soins, ce que le médecin ne fait pas. On ne fait plus que consulter dans un bureau froid. Il y a de moins en moins de visites et nous connaissons de moins en moins, pour reprendre ce qui a été dit sur One Health, nous connaissons de moins en moins les patients dans leur environnement. Quand on calcule le taux de couverture de notre enquête, donc le nombre de patients concernés qui ont reçu. Comment ? Vous m'avez parlé ? Non ? Ah ben j'ai entendu quelqu'un. Vous m'entendez toujours ? Oui. Oui, très bien. Désolé. Ah, j'ai entendu quelqu'un qui a dû passer à travers. Voilà. Et donc. Tout cela fait que nous allons avoir à repenser, à remodeler un système de santé autour de ces transformations en partageant autrement les tâches que nous avons à assurer, sachant que le personnel dit paramédical aujourd'hui, donc à côté de la médecine, ce qui n'est pas un beau mot, je suis de ceux qui pensent que tout personnel qui touche et qui approche et qui touche un médecin, un malade, devrait s'appeler personnel médical, mais à niveau de responsabilité gradué, de l'aide-soignante jusqu'au prof de médecine. Si je regarde ensuite, en matière de thérapie, le numérique nous permet, ce que j'ai fait depuis des années, de former des collègues à distance. J'ai été jusqu'à former un chirurgien de l'équipe d'un hôpital de Kuala Lumpur, en Malaisie, à partir de mon bureau à Paris, en ayant devant moi, avec mon ordinateur, une flèche qui me permettait de guider les collègues qui apprenaient une intervention. Vous m'entendez toujours ? Attention. Oui ? Oui, on vous entend, professeur. Merci. Et donc, on voit bien que là encore, on peut porter la science et le savoir-faire partout sur la planète, à partir du lieu où l'on est, pour aider les collègues. Donc là, il s'agit de télémentoring, d'apprentissage des autres, de même que nous aurons de plus en plus affaire à de la télésurveillance avec les malades et les autres professionnels de santé grâce à ces outils informatiques. Le suivi des patients, par exemple, il est extrêmement facile aujourd'hui dans la mesure où il va falloir de plus en plus que nous évaluions notre savoir-faire en ayant des retours d'informations à la fois à partir des données objectives qui sont colligées dans le CIRAB, dans les différents organismes de la Caisse nationale d'assurance maladie ou de l'Agence technique d'information hospitalière, de savoir si je fais bien, car je dois vous signaler que c'est ce que j'ai dit au président de la République dans une interview il y a un mois, où je lui ai dit, sachez bien que je crois que je me souviens d'un président de la République qui avait dit, il y a un pognon de dingue dans ce pays. Et effectivement, car si on regarde ce que dit l'OCDE, sur les 220 milliards de dépenses de biens de consommation médicaux en France, l'OCDE nous dit que nous sommes dans la moyenne de 20% d'actes inutiles. Mesurer 20%, c'est 40 milliards. Et avec ça, on peut totalement transformer le système en offrant de meilleurs revenus à celles et ceux qui s'engagent et qui ont la responsabilité lourde de prendre en charge des malades, mais en réduisant le nombre d'actes inutiles. Et ça passe par l'obligation demain d'une évaluation numérique de nos actes. En 40 ans de chirurgie, je n'ai jamais été évalué. Quel métier peut-il continuer à être comme ça sans jamais avoir quelqu'un qui regarde ce que vous faites ? Un expert, un collègue, non pas un médecin de la sécurité sociale, qui sont très compétents, mais qui n'ont pas la compétence du métier de chirurgien urologue. Ce n'est pas possible qu'ils connaissent tout. Donc, il faut faire usage des pairs et du numérique. Les pairs qui viennent voir au bloc, le numérique qui récupère les données, des données où c'est oui ou non, ou des taux, quel est le taux de décès dans le séjour opératoire de telle opération faite par un tel. C'est déjà très significatif. Quel est le taux de reprise opératoire
d'un tel dans tel type de pathologie, très significatif aussi. Et puis, à côté de cela, grâce au numérique, l'envoi de questionnaires réalisés par les patients eux-mêmes, parce que les patients n'ont pas la même vision que nous, que les médecins, de leur maladie. Et ces questionnaires sont très utiles pour savoir s'ils sont satisfaits ou pas. On les envoie par email, ils nous reviennent et on peut comme ça, à 3 mois, 6 mois, 1 an et tous les ans, avoir une meilleure analyse de ce qui se passe, sachant que le patient, quand il remplit l'interrogatoire chez lui, le fait avec beaucoup plus de liberté, car quand il est en consultation avec nous, il est rare qu'il veuille nous déplaire. Et donc, il a tendance à optimiser le résultat pour nous faire plaisir. Or, ce sont des questions qui sont parfois à 100 lieues de ce que l'on pense. Par exemple, après une mise en place d'une prothèse de hanche, opération de plus en plus fréquente dans la mesure 1, où on fait du jogging à s'user les rotules et les hanches, et 2, on vit de plus en plus vieux, eh bien, l'une des questions qui revient, c'est est-ce que je pourrais aller courir, ramasser le petit-fils ou l'arrière-petit-fils qui a 2 ans, qui ne sait pas nager et qui va se noyer dans la piscine ? Questions bêtes auxquelles on ne pense pas, nous, les professionnels, mais qui sont importantes pour celui à qui on dit on va vous changer votre hanche, en mettre une en plastique ou en métal pour que vous alliez mieux. Donc, tout cela est fait un tout, on est là encore dans One Health, on dépasse largement la médecine traditionnelle. Et puis, si je continue, nous allons de plus en plus avoir des communautés de patients qui se relaient, qui discutent, qui échangent par Internet, et c'est très bien, et qui auront des éléments de lobbying au bon sens du terme, d'appui pour avoir de meilleures informations, pour obtenir de meilleurs résultats à partir des critères d'évaluation que nous mettrons en place avec eux. De même, pour l'accompagnement des maladies chroniques, de plus en plus, nous aurons des systèmes connectés, des dispositifs connectés qui permettront de suivre les patients et de pouvoir travailler ensemble en bonne osmose. Sur le plan de la simulation, maintenant, si je regarde la formation initiale et la formation continue, il est évident que, un, nous avons des études beaucoup trop longues, complètement débiles. Faire 10 ans d'études, ça sert à quoi ? Je ne comprends pas pourquoi nous mettons tant de temps à faire des études qui ne nous apprennent que des connaissances. Nous n'apprenons pas un métier en faculté de médecine, nous apprenons des connaissances. Alors, ce qu'il faut apprendre, ce sont bien sûr des connaissances, mais encore plus un savoir-faire. Et cela, ça passe non pas par des facultés de médecine, de grand nom, ça passe par des écoles de santé. Et quand vous regardez, les Américains l'ont bien compris, puisque Harvard s'appelle la Harvard Medical School. Voilà. Et donc ça, c'est un vrai sujet. Mes collègues doyens sont parfois assez fâchés quand je leur dis ça, mais tant pis. Je pense qu'il faut qu'on passe à des écoles pratiques. Et dans ce cadre-là, tout ce qui est de la simulation numérique est indispensable pour justement pouvoir accélérer la formation en ce sens que l'on peut créer des scénarios les plus difficiles, les plus complexes qui soient, et voir comment chacun réagit et comment les acteurs entre eux réagissent. Notamment, vous pouvez créer des simulations de arrêt cardiaque au bloc opératoire, hémorragie massive, et vous voyez comment l'anesthésiste, l'infirmière anesthésiste, le chirurgien, la penseuse instrumentiste ou l'interne à côté se place, réagissent, qui fait quoi, à quel moment. Ce sont donc des jeux de rôle essentiels, vitaux, comme le font les pilotes régulièrement, qui se reforment, vous savez, très régulièrement. Un pilote, au bout de 3 mois, s'envole, n'a plus le droit de voler. Bon, il va donc falloir faire la même chose en médecine. Et ce qui pose là, ça va très loin, ça pose jusqu'à la réorganisation du système hospitalier français et savoir si on pourra continuer à faire de la chirurgie dans des petits hôpitaux où on sait qu'il y a tout de même, qu'on le veuille ou non, même si ce n'est pas complètement vrai, mais un rapport évident entre volume et qualité. Alors, on peut faire beaucoup et faire mal, mais quand on fait très peu, on fait rarement, vraiment, très rarement très bien. Donc, tout cela fait que toutes ces données numériques vont vraiment nous aider à mieux y voir clair. D'un autre côté, et j'en finirai par là parce que j'aimerais bien qu'on discute très librement, je pense qu'on peut aussi aller vers le pire. Et le pire tient en quelques mots que vous connaissez tous, fake news, complot, hacking. Le risque de déshumanisation, des prises en charge des patients est là. Et la jeune génération des internes que j'aime bien, mais qui est formée à partir du bac S, mention très bien ou bien, totalement mathématiques, eux et elles, parce que c'est 70% de femmes aujourd'hui qui sont en première année de médecine, sont des êtres brillants, et pour eux, 1 plus 1 égale 2.
Or, en médecine, 1 plus 1, ça fait 1,8 ou 2,1, ça ne fait jamais 2. Et donc, ça les perturbe, mais prodigieusement. Ils sont malheureux. Je n'ai jamais vu autant de suicides de gamins et de gamines. De mon temps, on travaillait deux fois plus qu'eux, et il n'y avait pas ces problèmes-là. Donc, on voit bien que la formation purement scientifique n'est pas la bonne. Il faut une formation humaniste en médecine. Il faut savoir utiliser les outils, mais il faut surtout être dans les humanités et savoir parler. Quand je faisais passer l'examen à mes externes, je les mettais à la place. Je disais, tu prends la place de l'urologue, c'est toi le chirurgien, le spécialiste, et moi, je viens te voir. Je suis le vieux malade prostatique qui tremble, qui est tout perdu, qui a 75 ans, l'âge que j'ai, et qui dit, voilà, docteur, mon médecin généraliste vous envoie, j'ai le bilan biologique, j'ai l'échographie ou le scanner, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, je voyais les étudiants immédiatement, sans même me regarder, moi, le pauvre malade, saisir les données, les dossiers, et ne plus regarder que cela avec l'ordinateur à côté, soumettant à taper, sans même me envoyer un clin d'œil, sans même me demander qui j'étais, si j'avais une famille, j'habitais où, en appartement, en maison, tout ce qui fait l'environnement de la personne. Et puis me dire à la fin de la consultation rapide, bien écoutez, voilà, sans même me regarder, les yeux en bas, comme ça, hein, parce que n'osons pas s'exprimer devant le médecin, auprès d'une mauvaise nouvelle, alors me disant, bon, écoutez, c'est un peu ennuyeux, il va falloir faire une biopsie, voilà, ben vous prenez rendez-vous avec le secrétaire, au revoir, monsieur. Le drame absolu, l'anti-consultation absolue. Et c'est la menace que l'on a avec les systèmes numériques qui vont de plus en plus figer nos rapports ou les rendre de plus en plus violents. On voit bien que sur les réseaux, j'ai quitté Facebook et j'ai quitté Twitter, écœuré de ce que l'on pouvait me balancer. Et il y a une très, très belle petite vidéo que je vous conseille vous tapez « chien » et « barrière » sur YouTube et vous voyez deux chiens qui sont séparés par une barrière. Ils sont là, ils ont les crocs, ils bougent la queue, les pattes pour essayer de se toucher, de s'agresser. La barrière s'ouvre, ils s'arrêtent et ils se regardent. Et ils sont tout doux. La barrière se referme, ils repartent, ils s'énervent à nouveau. Voilà, donc on voit bien que la distanciation est facteur d'une violence que nous n'avons jamais connue. Parce qu'on peut dire « je vais te tuer par Internet », ce qu'on ne ferait pas si on avait la personne en face. Et ça, c'est dramatique. C'est une perte de repères sociétaux qui est absolument dramatique, qui désigne complètement les vieilles démocraties que nous avons et qui pose un problème majeur. Et la médecine n'y échappe pas, elle n'échappe pas aux fake news. On a bien vu avec la vaccination tous les délires qui ont pu être dits, même dans ma famille. J'ai des complotistes dans ma famille. Donc, je vois que tout cela est grave parce que la science qui évolue toujours dans une espèce de disputation permanente d'arguments pour, d'arguments contre. Mais il faut être spécialiste pour ça. On ne peut pas être l'honnête homme qui n'a pas de connaissances suffisantes pour décider. Et on a mis tout cela sur les réseaux, sur les chaînes en boucle, tout le monde y est allé, chacun amenant son petit discours, ce qui a entraîné une cacophonie monstrueuse permettant le développement de ces fake news. Et le dernier point qui est inquiétant, et que les hôpitaux commencent à subir de plus en plus, et ça va venir dans les cabinets médicaux, dans les cliniques et partout, les centres de santé, c'est le hacking. Hein, c'est la saisie des données, le blocage des données pour obtenir de l'argent. Et nous avons là des systèmes informatiques hospitaliers qui sont complètement à la ramasse, pas du tout à la hauteur de ce qu'il faut. Nous avons aussi un nombre d'informaticiens dans les hôpitaux qui est absolument minable, 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 minable. On n'a pas assez d'ingénieurs informaticiens dans nos CHU. Et que de plus en plus, on va voir des accidents comme il y en a eu dans les plus gros CHU, à la PHP, à Rouen, tout, enfin partout. On voit bien les hackers qui viennent de loin et qui sont là à bloquer les données pour obtenir des rançons. Donc, globalement, je dis, la transformation, elle est positive. Il y a aussi ces dangers majeurs. Et j'en finirai par deux éléments. Quid du métavers demain en matière de santé? Oui, pour la formation, sûrement. Pour être dans un univers presque réel, pour la formation, la simulation, en le répétant et en évoluant au fur et à mesure de nos carrières. Mais quel danger, sinon, d'un système marchand aggravé qui aboutirait à nous rendre complètement zingos, avec des tout petits cerveaux, des gros yeux, des pouces énormes, des jambes minuscules et un dos tout scoliotique, parce qu'on va rester plongé à nos ordinateurs à manipuler de la virtualité absurde. Et enfin, ces outils numériques qui optimise complètement ce que nous faisons,
vont poser la question de savoir si nous allons être, si nous allons oser passer de la réparation de l'homme malade, blessé, handicapé, à l'augmentation de l'homme saint. Les Chinois sont en train de le faire sans aucun état d'âme. Est-ce que nous, les Occidentaux, nous allons accepter? C'est un vrai débat qui doit se terminer, à mon avis. J'aimerais tant que l'on crée une Conference of Parties, une COP digitale, sur ces problèmes majeurs, parce que nous avons des civilisations qui ne pensent pas la même chose. Je ne dis pas que les Chinois ont tort. Ils ne pensent pas l'homme comme nous. Vous savez qu'en Chine, l'homme est juste un tout petit élément du cosmos qui ne doit pas déranger. Alors que nous, nous sommes tout le contraire. Un tableau chinois, vous avez des grandes montagnes avec quelques sapins en haut, des nuages, une rivière qui coule, une longue barque noire et un tout petit mec au milieu avec son chapeau triangulaire. C'est l'homme au milieu du cosmos. Alors que quand vous regardez un tableau du 18e français, vous avez le roi avec sa couronne, avec son sceptre, son hermine, et derrière lui, il y a la nature tout au fond. C'est l'homme maître de l'univers. On a vu ce que ça donnait, parce que la maîtrise de l'univers, Wannels nous rend bien humbles en montrant combien nous avons été capables de dégrader ce qu'il ne fallait pas dégrader. Voilà, je m'arrête là, et je serai ravi de pouvoir échanger avec vous. Merci beaucoup, Guy. Beaucoup de pistes de réflexion ouvertes. Est-ce qu'il y a quelques questions? Vous avez la possibilité de lever la main ou de poser des questions sur le chat. Ou d'avoir des avis. Des commentaires, bien sûr. Voilà, bien sûr, parce que je ne prétends pas avoir raison. Je suis dans la discussion. Et voilà. En attendant que les mains se lèvent, je reviendrai volontiers sur un point. Je me rappelle vous avoir entendu dire que dans le bon sens, le numérique allait permettre de dégager du temps médical pour plus de contact avec le malade. Et là, vous nous faites une description où on a plutôt l'impression que le malade est le risque de disparaître, ou plutôt le médecin disparaît derrière son ordinateur. Alors, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le médecin a tendance à disparaître derrière l'ordinateur, mais en même temps, vous avez raison. Demain, c'est surtout, je dirais, le transfert, grâce en particulier au numérique, de responsabilité et d'action du médecin aux infirmiers. Et je suis de ceux qui militent, comme ils en existent au Canada, ce qu'on appelle les infirmières de première ligne, qui ont des responsabilités de diagnostic. Elles font des diagnostics, elles font des traitements de pathologies bénignes, elles préviennent, elles ont des capacités de prévention énormes auprès des usagers, ce ne sont pas des malades en prévention, donc de la foule, de ceux qu'ils veulent voir. Et elles ont des grandes capacités de suivi régulier et personnalisé des malades. Et donc, le médecin, dans ce cadre-là, doit, lui, revenir à la consultation lente des cas les plus complexes. Simplement, nous sommes dans un système totalement absurde de paiement à l'acte où, à 25 euros de la consultation, effectivement, vous êtes obligé de faire de l'abattage. Vous ne pouvez pas faire de la consultation lente d'une demi-heure ou d'une heure à 25 euros. C'est impossible. Donc, bien évidemment, c'est toute cette évolution numérique va bouleverser aussi nos modes de financement à terme. Et je suis de ceux qui considèrent que les médecins doivent être, et les professionnels de santé doivent être bien payés parce qu'ils ont des responsabilités, notamment en matière juridique, importantes. Il n'y a pas 36 métiers où on a plusieurs procès. Un chirurgien, en moyenne, ce sont 7 procès. Un bon chirurgien, c'est 7 procès dans sa vie active. Ce n'est jamais agréable. C'est insupportable de se dire que l'on peut être accusé alors qu'on pense avoir bien fait. Et donc, il va falloir revoir deux choses à l'aune de ces technologies, c'est le transfert de compétences, j'entends, et la deuxième chose, ça va être grâce au numérique et grâce notamment aux éléments de visualisation, au bloc opératoire de toutes les opérations que l'on fait, les boîtes noires qui vont nous servir à quoi? Qui vont nous servir à faire la différence entre l'erreur et la faute. Et l'un des gros débats que nous devrions ouvrir, c'est celui de savoir quelle différence il y a entre l'erreur et la faute, sachant que l'erreur, à terme, doit être indemnisée rapidement, sans procès, la faute, elle, doit être condamnée. Et ça, c'est un élément essentiel pour aller vers plus de numérique bien fait, de façon à dégager les acteurs de ce poids du risque d'être pris en procès par des avocats parfois voraces, on en connaît, et qui sont prêts à tout derrière les malades en sortant du bloc, à la limite, pour leur dire « allez porter plainte ». Et est-ce que là, c'est
l'intervention du robot ne complique pas, parce que s'il y a une erreur ou une faute, c'est la faute du robot ou c'est la faute du chirurgien? Alors, tout dépend, mais ça s'analyse. Si c'est une panne de robot, ouais, il faut voir s'il n'a pas déduit parce qu'il n'y a pas eu de maintenance assurée, parce que l'équipe s'en est fichue ou qu'elle n'a pas utilisé l'appareil comme le disait le constructeur, ou est-ce que c'est un défaut congénital de construction. Mais si le robot n'est pas mis en jeu lui-même en termes d'objet utile, eh bien probablement c'est l'erreur ou la faute sera incombera à celui qui a utilisé ou à l'assistant qui a placé les instruments sur les bras téléarticulés. Donc il y aura des enquêtes qui seront faites, mais ce n'est pas spécifique au robot, c'est fait de tous les instruments que nous utilisons, d'imagerie, de diagnostic ou de thérapie. Oui, ça s'analysera. J'ai l'impression que tout le monde est d'accord avec vous, parce qu'il n'y a pas de main qui se lève. Ben c'est rare, mais tant mieux. Mais c'est difficile à faire passer, parce qu'on voit bien que le Conseil de l'Ordre et un certain nombre de syndicats sont arc-boutés sur l'acquis. Mais au lieu d'être proactif et d'aller à la négociation en disant « Ok, on est prêt à être évalué, mais à condition que si on fait bien, vous nous payez à la hauteur de ce qu'on vaut », voilà l'enjeu de demain. C'est ça le bel enjeu. Et ça n'a pas l'air de prendre. Donc, je vais pousser les feux. On est quelques-uns à vouloir lancer un peu, aller plus loin, notamment à l'occasion de la présidence française de l'Europe, parce que je pense que cette évaluation, dans mon métier de la chirurgie, peut-être européenne, elle n'est pas très… Je dirais que la chirurgie n'est pas une technique qui est extrêmement liée au territoire. Je pense que le résultat d'une ablation de la prostate pour cancer doit être le même à Berlin, à Madrid, Rome ou Paris. Et donc, on pourrait avoir là un levier fantastique grâce à cette présidence pour pousser l'Europe à aller à l'évaluation des pratiques médicales et à une meilleure réorganisation du système. Une question de Sylvie Rousseau. Allez-y, vous avez la parole. N'oubliez pas de mettre votre micro. N'oubliez pas le micro. Je demande l'activation du micro. Non, il n'y a pas de son. Non, le micro est toujours fermé. Oui. Le micro de Sylvie Rousseau est fermé. Il est ouvert. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, je voulais vous poser une question concernant vraiment ce que vous avez parlé des maladies neurodégénératives. Je comprends très bien l'objet important du numérique qui est déjà existant et qui doit se développer, mais néanmoins, vous êtes d'accord avec moi que quand vous me dites que les études sont très longues, oui, c'est vrai, elles doivent être orientées différemment pour les médecins et les spécialistes, d'accord, mais il faut quand même une évaluation humaine très importante et où le risque d'erreur est aussi très important. Parce que les maladies neurodégénératives, comme vous dites, dans une seule maladie, dans une même maladie, il y a un faisceau de différences énormes. Oui, bien sûr. Mais je pense que l'IA, là, peut nous aider énormément. Elle est en complément de nos capacités cognitives, je dirais, biologiques, humaines, qui sont exceptionnelles déjà. Quand on voit que dans 1400 grammes, c'est rien, hein, 1400 grammes, c'est ça. Mesurer ce qu'on contient avec nos 86 milliards de neurones, on est capable de prodiges inouïs et de shortcut. Ce que ne sait pas faire l'IA, on est capable d'aller directement à certains résultats en coupant court. Et nous avons des circuits immodélisables, finalement. Quand on regarde ce que font nos collègues radiologues, effectivement, on a des grandes zones, on sait que ceci, cela, le langage, la vision et autres, mais ce n'est pas du tout ça qui se passe, en fin de compte. Ce sont Excusez-moi, vous qui êtes un grand professionnel, au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous pouvez m'accorder qu'il y a des erreurs déjà d'interprétation d'IRM qui peuvent déjà conduire? Bien sûr. Non, mais attendez, il y a des erreurs. Il y a des erreurs d'interprétation de l'IRM, bien évidemment. Je dis que tout ce qui est du numérique va augmenter la capacité de précision du diagnostic, mais ça ne fera jamais 100%. Hein. Et c'est la conjonction humaine et numérique augmentée qui va faire qu'on va rejoindre peut-être 98, 99, 99,5%, mais jamais 100%, bien évidemment. Il y aura toujours des cas où on ne sera pas bon. D'accord, je vous remercie beaucoup de votre réponse. On a d'autres questions? Pascal Gramin?
parce que... Bonjour. Le micro est fermé. Non, je l'ai ouvert. Voilà. Oui. Ça y est, oui, oui. Oui, voilà, bonjour. Bonjour, ben merci pour votre présentation. Personnellement, j'y souscris, mais j'avais une question. Est-ce que vous ne pensez pas que la lutte qui s'est produite dès les temps modernes, dans le XVIIIe siècle, des médecins pour distinguer la science de la pseudo-science, qui a conduit finalement à la notion de colloque singulier à laquelle les médecins sont totalement arc-boutés, ne soit pas finalement un frein à ce que vous préconisez avec un développement du corps infirmier notamment ou des soignants et d'être pris par vos confrères pour un traître oui. Et parce qu'il y a quand même un corporatisme médical historique et qui s'est construit parce que historiquement tous les médecins, même Hippocrate, ont tendance à faire un peu les caliméros de l'histoire des sciences, quoi. C'est-à-dire à se sentir tout le temps agressé. Alors, vous voulez aller jusqu'au secret médical à ce moment-là, c'est ça? Et le colloque singulier, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le médecin seul qui, à un moment donné, à un temps donné, est capable de poser un diagnostic, de faire un suivi, et personne d'autre au monde n'est capable de le faire. Et donc, est-ce c'est que ce n'est pas faux. Un frein pour la place des infirmiers? Si, vous avez raison. Et vous avez raison, parce que c'est faux. Donc, aujourd'hui, un infirmier, éventuellement auprès d'une formation complémentaire, est tout à fait capable, ou une infirmière est tout à fait capable de faire, avec en plus la facilitation qu'offrent les outils. Vous avez des otoscopes pour regarder dans l'oreille. Vous prenez votre smartphone, vous rajoutez sur la caméra un tout petit cône qui se fixe, vous le plongez dans le conduit auditif, ça vous fait le diagnostic. Le smartphone fait le diagnostic d'otite aiguë, d'otite subaiguë ou de corps étranger. Bref, voilà, donc on n'a pas besoin d'être médecin pour ça. Donc, je pense effectivement qu'il faut, arrêter cette primauté du médecin qui doit tout chapeauter, qui doit tout décider et parfois simplement faire. Non, il y a des acteurs autres. Je répète qu'un certain nombre de pays, je connais en Angleterre, vous avez des nurse surgeons. Ce sont des infirmières chirurgiennes qui, il y a quelques années, étaient encore sous l'autorité du consultant, du senior chirurgien, et qui, depuis 4 ou 5 ans, ont la liberté de faire leurs actes. Donc voilà, mais ce sont les anglo-saxons qui nous montrent la voie. Ils sont beaucoup plus pragmatiques que nous, et nous restons sur un vieux modèle figé, complètement figé. Je vous rejoins, il va falloir se battre, parce que c'est méchant. Plus on agresse des résistants, plus ils se défendent. Mais il y a une... Globalement, le corps infirmier gagnera parce qu'il est le plus nombreux. Et quand vous regardez les déserts, médicaux, ce n'est pas des médecins qu'il faut mettre pour plein de raisons. On nous dit la jeune génération, il va falloir mettre des médecins, comme certains candidats l'ont fait là récemment à la présidence, on mettra 6 mois ou 1 an un jeune interne sorti tout frais et moulu de la faculté pour aller remplacer dans un désert. C'est scandaleux pour un. Alors, au prétexte que, un, ses études sont payées, pas du tout. Lui travaille à l'hôpital depuis des années déjà. Donc, voilà. Et deux, ça permettra de remplacer les départs en retraite. Mais ça veut dire qu'on va mettre dans ces déserts des tout jeunes médecins qui vont changer tous les 6 mois. Ce n'est pas de la médecine. La population va hurler en disant, mais attendez, tous les 6 mois, on change de toubib. On a besoin de... Un médecin doit connaître sa population parce qu'il la rencontre aussi au marché, partout. Il la connaît, il connaît le grand-père, la mère, les enfants, les petits-enfants. C'est fou, quoi. Et donc, on est dans un délire complet. Il faut que des infirmières praticiennes puissent assurer les premiers soins, les premiers diagnostics. Elles sont appelées dans les appartements, les maisons, les entreprises, les écoles, les administrations. Et là, on peut l'élever. Vous avez 160 000 infirmières qui sont parties et dont beaucoup reviendraient dans le métier au prix de cette formation pour assurer cette présence permanente. Mais je ne dis pas uniquement dans les déserts, partout. Même à Paris 6e, Paris 7e, Auteuil-Neuilly-Passy, hein, aussi bien qu'à Kerbouster, Côte d'Armor ou Pontivy, Morbihan. Donc, c'est un changement radical dans l'évolution des systèmes, où véritablement, plus ces infirmiers seront présents sur le territoire, il en faut 20 000 dans les 3 ans qui viennent, et vous n'avez plus de désert. Mais personne n'ose le faire. Mais en 3 ans, on les forme, et ça y est, c'est fait. Et elles sont en relation avec le médecin généraliste et les spécialistes, comme ça se passe ailleurs. Qu'est-ce qu'on attend pour faire ça? Les infirmières sont très preneuses
de ce type de métier, ça les valorise, on les paiera mieux. Il faut donc des IPA de première ligne, de premier recours, voilà. Au-delà des infirmières praticiennes aujourd'hui que l'on a, qui assurent les maladies chroniques, les maladies mentales, les insuffisances rénales, l'oncologie, il faut ces infirmières praticiennes qui seront dans les campagnes, dans les villes, où que ce soit, et pas uniquement dans les déserts. Oui, on a créé déjà les IPA, mais on n'avance pas assez vite. Mais parce qu'on ne veut pas. Oui, pardon, c'est parce qu'on ne veut pas. On ne veut pas parce qu'elles sont preneuses. Il y en a 3000 en formation, un peu plus de 3000. Il y en a déjà 700 sur le terrain, mais elles sont l'objet de discrimination. On ne les paye pas à la hauteur de l'engagement qu'elles ont pris de faire 2 ans d'études. Enfin, c'est lamentable, lamentable. Jean-Charles Dron a levé la main. Oui, bonjour. Merci beaucoup, professeur Valencian, pour tous ces éléments et bonjour à tous. Peut-être juste un retour d'expérience. Je m'occupe d'un projet qui vise à expérimenter, notamment dans les territoires ruraux, la problématique de l'innovation numérique en santé. Et vos propos résonnent assez bien finalement à nos oreilles parce que parmi les expérimentations qu'on a pu mener, on a essayé de déployer un modèle de téléconsultation qu'on appelle de territoire, qui vise justement à proposer un accès aux soins en médecine de premier recours, mais aussi demain en médecine de spécialité, aux patients qui aujourd'hui n'ont pas en capacité d'y accéder. Et finalement, on s'est rendu compte en travaillant, et ça revient aussi au sujet de la déshumanisation de la santé, de dire que la technologie en tant que telle n'était pas le premier sujet. Le premier sujet, c'était celui, d'une part, de l'organisation territoriale, c'est-à-dire d'être en capacité de mettre en place des projets de proximité qui étaient connus, validés, travaillés avec les professionnels de santé. Ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément, c'était aussi d'avoir en proximité du patient une ressource, en l'occurrence, c'est une infirmière qui prépare la téléconsultation, qui accompagne le patient, qui sont plutôt des personnes âgées dans nos territoires, donc pour lesquelles l'accès au numérique n'est pas forcément évident. Et puis, le dernier point, c'est effectivement d'avoir une ressource médicale en face. Et actuellement, les réflexions qu'on a pour essayer d'identifier des innovations qui pourraient nous aider, c'est de se dire qu'est-ce qui permet d'augmenter l'expérience utilisateur de la téléconsultation. Comment on valorise au mieux le temps du médecin, comment on concentre le temps du médecin justement sur ce colloque singulier avec le patient et que, entre guillemets, tout le côté accessoire de la téléconsultation qui pourrait être la remontée des données de santé, l'exploitation de la donnée de santé qu'on pourrait retrouver de manière agrégée à partir des données du DMP, par exemple, on puisse l'avoir d'une certaine façon à ce que ça permette de concentrer la relation entre le médecin et le patient, sachant que, encore, on a un professionnel de santé qui est l'infirmière qui est en proximité. Donc, ce n'est pas exactement la situation que vous décrivez avec la possibilité d'augmenter les prérogatives des infirmières, mais je pense que ce type d'expérimentation qui crée cette proximité autour de cas d'usage précis permet aussi de re-questionner les prérogatives des uns et des autres et peut-être de les faire accepter plus facilement. Voilà, pardon. Non, mais merci de votre intervention. Je vous rejoins tout à fait, tout à fait. Et bravo. Merci beaucoup, Guy. Je crois que nous allons tous avoir de quoi réfléchir après votre intervention et c'est certainement un des objectifs de l'IHEST. Nous allons passer maintenant, je dirais plus à court terme, sur où en est, comment la France avance pour réussir son virage numérique. Nous avons la chance d'avoir Dominique Pont qui nous accorde un petit peu de temps dans son agenda extrêmement rempli avec ses multiples casquettes de directeur général de Clinique Pasteur de Toulouse, mais surtout pour nous, de responsable de la délégation du numérique en santé, et donc en charge avec Laura Letourneau du pilotage du virage numérique. Et on sent qu'on est en plein dans le virage. Dominique, merci donc de nous partager quelques éléments du constat maintenant ancien que vous aviez fait sur la situation de la France pour revenir au quotidien. Et puis de nous dire en quelques mots, enfin prenez votre temps, comment est-ce que vous pensez que les choses avancent et comment se positionne notre beau pays. Merci beaucoup, à vous. Merci Isabelle, bonjour à tous. Vous pouvez me préciser si vous m'entendez bien Isabelle, il n'y a pas de souci.
Bon, juste pour me présenter effectivement rapidement, je suis un petit gars de province, de Toulouse, qui dirige un établissement de santé. Je ne suis pas un professeur, je ne suis pas médecin. Je suis ingénieur de formation en informatique et les hasards de la vie ont fait que l'on m'a proposé il y a 3 ans d'écrire un rapport sur le numérique en santé. Et à la suite de ce rapport, les propositions que j'avais faites avaient été retenues. Et juste derrière, on m'a proposé de piloter en fait la stratégie de transformation numérique de la santé en France. Et je ne fais pas ça en tant que professionnel. Je ne connaissais rien du tout à la technocratie, rien du tout à la politique. Et je ne vais pas y faire carrière d'ailleurs. Je vis ça comme une sorte de service civique, hein, voilà, que je fais entre avril 2019 et avril 2022. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous faire une petite présentation en diffusant un petit PowerPoint parce que ça fixera plus simplement les idées, de faire une petite coupure pour 3-4 questions. Et puis, si on a 3-4 minutes, juste vous montrer en vrai l'espace numérique de santé qui va être ouvert à tous les Français puisque j'ai ouvert le mien depuis quelques mois pour vous montrer quelque chose de concret, de palpable. Donc, je vous propose de partager cet écran. Juste me faire signe, Isabelle, si vous voyez bien la présentation. C'est bon? Donc, pour résumer, en gros, à partir de janvier de cette année, de l'année 2022, va être ouvert à tous les citoyens français une plateforme souveraine, un service public national qui va être ouvert à tous les Français depuis leur naissance, qui s'appelle Mon Espace Santé, dans lequel chacun pourra accéder à ses données de santé, ranger ses données de santé, utiliser des moyens de communication avec les professionnels de santé qui nous soignent sécurisés et accéder à des applications numériques de santé développées par notre écosystème, par nos start-up, toute l'innovation à la française, mais tamponnées, labellisées par l'État dans un cadre éthique. Et ça, en fait, c'est la partie visible de l'iceberg d'un travail qu'on mène dans l'ombre depuis un peu plus de 2 ans et demi. Où on a travaillé sur des briques techniques et toute une stratégie dont maintenant, dans les quelques mois à venir, dans les 3-6 mois, on va voir apparaître les choses visibles à la fois pour les professionnels de santé et pour les citoyens. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous expliquer le dessous, la partie immergée de l'iceberg et ensuite vous montrer ce que ça va être concrètement. Bon, le premier point, c'est que, comme vous l'avez dit, ça a démarré par un rapport que j'avais fait en 2018 pour Agnès Buzyn dans le cadre de la transformation, enfin, du programme Ma Santé 2022. Un rapport dans lequel je disais en gros que, vu de quelqu'un de terrain qui a les mains dans le cambouis du numérique en santé depuis 15-20 ans, en gros, le constat, c'est qu'on a échoué collectivement. Voilà. Le numérique en santé en France, c'est le bordel. Pour être très clair, par manque de volontarisme politique, par manque d'humilité, par manque de lucidité, par manque d'énergie et de suite dans les idées, on a laissé fleurir des logiciels de santé partout en France, chez les médecins, dans les hôpitaux, dans les EHPAD, chez les biologistes, les radiologues, sans cadre commun. Donc, sans règles précises, ce qui fait que ces logiciels, ils communiquent pas entre eux. Donc, on dit qu'ils sont pas interopérables, très mal, de façon très, très, très laborieuse. Donc, ça marche très mal. Donc, les données s'échangeant mal par des canaux sécurisés, y a des ruptures dans les parcours de soins parce que forcément, il manque toujours une information. Et donc, derrière ça, il y a des professionnels de santé qui sont exaspérés derrière des outils pas ergonomiques, qui ne respectent pas les règles élémentaires de sécurité qu'un hacker débutant peut casser aujourd'hui n'importe quel hôpital français en matière de système d'information. C'est à peu près ça, l'état des lieux. Et puis, globalement, des citoyens français qui n'ont toujours pas leurs données de santé. On est en France quand même et on n'a toujours pas nos données de santé restituées en tant que citoyens français, quoi. Nos données de santé sont éclatées aux 80, un petit bout chez notre pharmacien, chez notre gynéco, chez notre médecin généraliste, chacun dans son logiciel, mais nous, on ne nous a rien restitué. Donc, derrière ça, ce qu'on a proposé, c'est une feuille de route qui part d'abord d'un principe de base
qui est que, je ne dis pas que j'ai raison, d'accord, mais en tout cas, c'est ma conviction profonde depuis le départ, et c'est ça que je défends, c'est ça que je porte et ça que je construis, c'est de dire, un, il n'y aura pas d'homme ou de femme providentielle qui va résoudre tous nos problèmes en France sur le numérique en santé. Ça n'existera pas, qui est le génie qui va tout résoudre. Deux, la seule solution en France, si on veut résoudre, si on veut avancer sur ces sujets, progresser, il faut qu'on avance ensemble, pouvoir public, industriel, sans tabou, pouvoir public, industriel, professionnels de santé, associations de patients et citoyens. Et pour avancer ensemble, il faut que l'État reprenne la même et une vision claire, politique, volontariste, humble, pragmatique, avec une méthode des petits pas, mais des petits pas rapides. Voilà. On ne fantasme pas le grand soir. On arrête de dire qu'on va être le grand champion de l'intelligence artificielle en France, alors qu'on n'est même pas capable de s'envoyer un bête PDF par une messagerie sécurisée en compte rendu d'hôpital entre un hôpital et un médecin généraliste. Voilà. Il faut être lucide, mais être volontariste pour avancer vite, mais par petits pas, sans annoncer le grand soir. Et pour ça, en fait, il faut qu'on ait un cadre de valeurs dans lequel on s'inscrit. La seule solution, à mon avis, en France, pour fédérer, qui est le pays le plus compliqué peut-être au monde pour avancer de façon collective, c'est de se fédérer sur un cadre de valeurs. Et ces valeurs, il faut qu'on les définisse et qu'on en soit redevable. Les valeurs auxquelles je crois, et à nouveau, je ne dis pas que j'ai raison, mais j'assume ma part de romantisme, c'est de dire que moi, je crois à un numérique en santé dont l'emblème, ça soit l'éthique. Voilà, je pense qu'on est dans une tradition de pensée en France, en Europe, qui est une tradition de pensée humaniste. Donc, le numérique à nous, il ne sera pas tout à fait ou complètement libéral-libertaire, il ne sera pas tout à fait autocratique et liberticide. Il doit avoir comme emblème l'éthique. C'est de l'Europe, c'est de la France que vient, c'est de l'Europe que vient le RGPD, c'est de la France aussi que peut venir une dynamique pour dire qu'on veut du numérique qui ne crée pas de fracture sociale, qui ne crée pas de fracture numérique, qui soit très volontariste, qui se saisit des technologies, mais pour être responsable sociétalement, responsable vis-à-vis de l'environnement, qui soit très respectueux des libertés individuelles. On doit assumer le fait que nous, on veut tracter un numérique en France, tout compris, et numérique en santé en particulier, qui est l'éthique comme emblème. Deuxième point, et j'assume aussi ça, moi je crois que l'État ne peut pas tout faire, mais sur certains dispositifs et architectures et plateformes et outils clés, l'État en France et en Europe doit reconquérir sa souveraineté. Je vous expliquerai après le modèle auquel je crois. Je sais bien que, quand je disais il y a 15 ans, il faut qu'on redevienne souverain sur les nouvelles technologies numériques en France et en Europe, c'était ringard. Aujourd'hui, vous avez remarqué, ça devient fashion de parler de souveraineté. Moi, j'ai toujours cru ça. Et donc, la feuille de route qu'on a construite, elle part sur une part de souveraineté qui permet de garantir justement un cadre éthique. Et troisième valeur clé, c'est la citoyenneté, c'est-à-dire le fait que on ne pense pas, quand on pense numérique dans la santé, que aux professionnels de santé, qu'on ne pense pas que aux médecins. Monsieur et madame tout le monde, le citoyen lambda, matati qui est dans l'Ariège, qui n'est pas geek, elle a le droit à avoir accès à ses données numériques, elle a le droit à avoir accès à des services numériques. On doit lui proposer aussi à elle des outils pour la rendre actrice de son parcours de soins, parce qu'en fait, une vraie transformation et une vraie politique publique moderne d'aujourd'hui, elle doit être faite aussi et bien sûr, surtout pour les citoyens. Et ensuite, une fois que ce cadre de valeur qu'on a fixé depuis le départ et qu'on a détaillé, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est ça qui a guidé nos actions, il fallait définir une vision, et la vision qu'on a proposée depuis le début, c'est qui est résumée sur cette maison, sur ce schéma, je vais parler avec plein d'acronymes très compliqués, qui correspond aux 30 actions de la feuille de route qu'on porte entre avril 2019 et avril 2022. Ces 30 actions seront terminées à fin avril 2022. Je suis obsessionnel là-dessus, quasi névrosé. Je veux qu'on tienne et qu'on prouve qu'on avait fixé une feuille de route qui ne va pas tout résoudre, mais à mon avis, qui va être un vrai game changer. Et toutes ces briques que vous voyez là, toutes ces cases de cette maison, c'est ça qu'on est en train de construire pour construire ce numérique en santé citoyen, souverain, éthique et qui soit le socle en fait d'une accélération de la transformation numérique de la santé en France en restant dans un cadre humaniste. En gros, cette maison, elle veut dire quoi? Chacune des cases, tous ces acronymes compliqués, c'est des briques techniques que l'État construit et demande aux industriels d'inclure dans leur logiciel
pour que les industriels puissent se concentrer sur l'innovation. Le modèle qu'on propose de gouvernance du numérique en santé, il doit se comporter, c'est qu'il s'inspire de la gouvernance d'une ville pour bien définir le rôle des pouvoirs publics et le rôle du privé. Dans une ville qui marche bien, les pouvoirs publics, ils font quoi? Ils font le code d'urbanisme, ils écrivent les règles. Deuxièmement, ils délivrent les permis de construire. N'importe qui ne peut pas construire sa maison, il doit respecter le code d'urbanisme et c'est les pouvoirs publics, c'est la mairie, les services centraux qui lui donnent un permis de construire. Et ensuite, les pouvoirs publics, ils supervisent la construction de tous les communs, les routes, les ponts, le tout à l'égout, le réseau d'électricité, les infrastructures de base, ce qui est le socle. En revanche, les pouvoirs publics ne s'amusent pas à faire toutes les maisons de la ville, ce serait délirant. C'est les privés, c'est les promoteurs, c'est les personnes individuelles qui construisent les maisons, c'est-à-dire les services à valeur ajoutée. En revanche, les promoteurs, vous, moi, pour construire sa maison, on respecte le code d'urbanisme. On attend qu'on nous délivre un permis de construire et on a obligation de se connecter sur les routes, sur le réseau de tout à l'égout, sur les réseaux d'électricité, sur tout ce qui est infrastructure commune publique. Et c'est exactement le même modèle qu'on a construit pour le numérique en santé en France et qu'on, voilà, et voilà, qui maintenant va voir le jour et qu'on a construit dans l'ombre, les routes, le code d'urbanisme numérique, etc. Donc, dans cette maison, tout à fait en bas, et je ne vais pas rentrer dans les détails, en vert, c'est le code d'urbanisme numérique, les règles de sécurité, d'interopérabilité, rendues opposables dans les textes réglementaires, les détails techniques de tout ça pour qu'il y ait une bible du numérique en santé en France applicable par tous les éditeurs, les industriels. Ça a été concerté, fait, publié, rendu opposable. Et ensuite, ce que vous avez en brique orange, en brique mauve, c'est les routes, les ponts, le réseau de tout à l'égout numérique, les tuyaux, toutes les infrastructures nationales, souveraines, régaliennes. Au-dessus de ça, une maison avec trois plateformes. Des plateformes, c'est quoi? C'est à nouveau un socle qui peut recevoir des données numériques et qui peut recevoir des applications numériques développées par notre écosystème et dans un cadre fixé, avec un code éthique, un code d'interopérabilité, un code de sécurité fixé, tamponné par l'État. Mais l'État ne s'occupe pas de l'innovation. Il laisse les acteurs, les startups, les éditeurs, les industriels créer de l'innovation au sein de trois plateformes qui hébergent ces innovations. Mon Espace Santé, qui est la plateforme citoyenne, qui va être ouverte par tous les citoyens français, en miroir, ce qu'on appelle le bouquet de services aux professionnels, qui est la même logique, voilà, d'un réceptacle à service et à donner à destination des professionnels de santé dans le cadre des parcours de soins. Et le toit de la maison en blanc, c'est le Health Data Hub, que je ne pilote pas directement d'ailleurs, qui est confié à Stéphanie Combe et qui est une plateforme de données anonymisées à des fins de recherche d'innovation. Et les nuages, c'est tous les dispositifs d'accompagnement, de financement, de formation, tout ce qu'on a mis en place pour que cette maison se construise et voit le jour. Si je prends ces quelques briques techniques, quelques-unes emblématiques pour que ça soit concret pour vous, de ces routes numériques qu'on a construites depuis 2 ans et qui maintenant existent et vont être déployées et imposées à l'ensemble des industriels qui travaillent dans la e-santé en France, ça commence par ce qu'on appelle l'identité nationale de santé, c'est-à-dire un identifiant et des traits d'identité uniques pour chaque citoyen français. Bon, ça, c'est typique de la névrose française, hein, c'est-à-dire on avait imaginé construire une e-santé cohérente en France. Je crois qu'on est le seul pays au monde à avoir imaginé ça sans identifier le patient de façon unique au niveau numérique. C'est-à-dire que dans chaque logiciel de santé en France, on est identifié avec des identifiants différents dans chaque logiciel français. À l'hôpital, chez le médecin généraliste, chez les spécialistes, dans les biologistes, etc. Dans chaque logiciel, c'est pas le même patient numérique. Donc, moi, je suis pas la même personne numérique dans les logiciels de tous les professionnels qui me prennent en charge. Comment construire un parcours de santé cohérent? Comment construire une logique cohérente en France en matière de e-santé? C'est juste fou. Ça devrait exister déjà depuis 15 ans. C'est le béaba du béaba en matière de numérique. Et donc là, clairement, ça, voilà, c'est fait, c'est développé. On a un téléservice proposé à l'ensemble des industriels et on est en train de le déployer dans tous les logiciels de santé en France pour qu'enfin, dès lors qu'une donnée de santé circule en France, elle soit bien associée à une identité avec un numéro, en gros, numéro de sécu pour faire très court, nom, prénom, date de naissance, sexe, lieu de naissance, toujours écrit et orthographié de la même façon avec une identité numérique. Deuxième point, c'est de dire ben, on ne peut pas continuer à, comme on fait en France depuis toujours dans les hôpitaux, ben, voilà, se connecter dans des logiciels de santé avec un mot de passe tata toto, quoi. C'est quand même ça, hein, la vraie vie.
voilà, avec des cartes CPS, de cartes professionnelles de santé en plastique qui sont jamais utilisées alors que la loi devrait prévoir qu'on l'utilise, mais c'est dans les faits, sur le terrain, impossible à mettre en œuvre. Donc là, voilà, on ne peut pas continuer. Donc là, on a standardisé les moyens de connexion dans les logiciels de santé en France. Il y a un standard, qui est un standard international, mais qu'on a implémenté pour la France. Dans la e-santé en France, on a dit, il y a ce module-là qui s'appelle ProSanté Connect, qui ouvre des possibilités de dématérialisation des connexions avec des certificats sur des smartphones, des e-cartes professionnelles de santé qui nous ont été très utiles pendant la crise Covid. Vous voyez le boom que ça a donné. On standardise, tout le monde utilise le même standard pour que, vu du médecin à la fin, quand il doit naviguer d'un logiciel à un autre, il n'ait pas 10 fois à se reconnecter pour simplifier son usage dans un cadre sécurisé. À nouveau, c'est le BABA, ça devrait exister depuis 10 ans en France, ce truc-là, c'est fait. Et maintenant, on est dans la phase de l'imposer à tous les industriels et de le déployer. Pareil pour l'application, pour la carte vitale, on ne va pas rester 15 ans avec une carte en plastique. Bon, voilà, vous imaginez. Donc là, voilà, à partir de l'année prochaine, on va commencer à se déployer sur beaucoup de territoires français. Une e-carte vitale, voilà, avec une application, un complément de la carte physique qui permettra des usages sécurisés d'accès à des outils numériques, de téléconsultation, on vient d'en parler tout à l'heure avec Guy, des applications de e-santé où aujourd'hui, si vous regardez bien, même les grandes applications nationales de e-santé, on est sur des mécanismes beaucoup, beaucoup moins sécurisés que dans le secteur bancaire, ce qui est quand même une folie. À l'heure d'aujourd'hui, voilà, mettre en place quelques outils SOC en disant aux industriels, bosser sur l'innovation, créer de la valeur, mais appuyons-nous sur les mêmes routes numériques, les mêmes socles numériques pour que les données de santé circulent correctement et qu'on accède de façon sécurisée aux informations de santé. Pareil sur les messageries sécurisées de santé en France, je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais pendant la crise Covid, les deux outils les plus utilisés en vrai, hein, si on se regarde et si on se dit la vérité, pendant la crise Covid, ça a été Gmail et WhatsApp. Donc, avec des données de santé, hein, voilà, qui se baladent sur des serveurs, personne ne le sait vraiment, en Californie, sans règles de sécurité fixées, en faisant complètement fi de la loi française. Bon, c'est plus possible, franchement, de continuer comme ça. Là, on dit maintenant, il y a un standard avec des industriels qui développent des messageries sécurisées. L'État fixe le standard et impose le même standard pour tout le monde pour que ces messageries soient interopérables. Donc là, on est à marche forcée, on est en train de le déployer chez tous les professionnels de santé, du sanitaire et du médico-social. Et vous le verrez, à partir de janvier 2022, tous les citoyens français, on aura tous notre adresse de messagerie sécurisée pour pouvoir dialoguer avec nos professionnels par des canaux souverains et sécurisés. Pour faire ça, je vous avoue aussi qu'il y a eu un peu de chance aussi. Hein, on a eu la chance d'avoir une pandémie mondiale. Enfin, évidemment, je dis ça, mais en tant que citoyen et directeur de clinique, c'est une horreur. Mais en tant que responsable initial du numérique en santé, ça a été une aubaine, je dois le reconnaître, parce que le numérique, la santé, c'est devenu des sujets grand public, donc politique. Et donc, on a enfin les moyens de nos ambitions pour vraiment restructurer tout ce numérique en santé en France. Donc, tout ce que je viens de vous expliquer sur la maison en vous montrant 2-3 briques clés, il y en a plus de 20, hein. Et bien, en fait, ça, maintenant, on a 2 milliards pour l'implémenter dans tous les logiciels de santé en France. C'est les 12 travaux d'Hercule, hein, de faire ça. 1,4 milliard pour le sanitaire, 600 millions d'euros pour le médico-social. Vous avez ça en bas à gauche de la planche à l'écran. Et donc, en bas à droite, vous avez les briques socles, voilà, l'identité nationale de santé, le connecteur au nouveau DMP, je vais vous en reparler juste après, les messageries, les moyens de s'authentifier, tout ça, l'État le fournit clé en main puisqu'on a fini de développer tout ça. Et l'État va financer la modification et la mise aux normes de tous les logiciels de santé en France, tous. C'est un plan sur 3 ans. Donc, on pense qu'à la fin de l'année 2022, sur la médecine de vie, l'hôpital, la biologie et la radiologie, on sera aux alentours de 80% des logiciels qui auront tous été mis aux normes et implémentant ces connecteurs communs. Et ça, ça va nous permettre quoi, en haut à droite de cette planche, de commencer humblement, voilà, avec humilité, de dire maintenant en France, dans les parcours de soins, quelques documents clés et essentiels du parcours de soins par ces tuyaux numériques souverains, de logiciel à logiciel, par ces canaux sécurisés, on va partager quelques données clés en priorisant les comptes rendus d'hospitalisation, les comptes rendus d'imagerie, les comptes rendus de biologie, les ordonnances, les courriers et ce qu'on appelle le volet de synthèse médicale du côté des médecins généralistes. Temps 1.
on atteint ça collectivement pour une fois. On ne fait pas trois expérimentations, on n'arrive jamais à généraliser ça. On le fait de façon massive dans tous les logiciels de santé et on suit cet indicateur qui est est-ce que ces données enfin circulent en France dans les parcours de soins par des canaux sécurisés. L'ordre de grandeur qu'on attend de multiplication, c'est de passer d'à peu près 10 millions de documents par an échangés par des canaux sécurisés à peu près 500 millions. On pense que c'est un facteur 50 qu'on peut atteindre d'ici 12-18 mois. Pour faire ça, il y a eu un énorme changement de paradigme qui a été juste un enfer pour Laura Letourneau et moi, qui a été de changer de paradigme en France avec l'État qui a, donc c'est remonté jusqu'au Conseil d'État, de trouver un moyen juridique pour que l'État puisse lui-même labelliser et financer les mises à niveau de tous ces logiciels de santé en finançant les industriels, voilà, directement dans un cadre avec un cahier des charges écrit avec plus de 200 professionnels de santé qui nous ont dit voilà comment on veut que nos logiciels fonctionnent. Et ensuite, une autre partie de l'enveloppe de ces 2 milliards donnée directement aux professionnels de santé, aux établissements de santé, dès lors qu'on a mis à jour leur logiciel gratuitement, qui joue le jeu enfin du partage des données de santé en France. Donc ça, c'est le programme qui s'appelle Ségur numérique, qui est un programme de rattrapage du retard, pour faire clair. Derrière, il faut prévoir l'avenir. Donc, il y a un deuxième programme. Donc, c'est quand même des ordres de grandeur qu'on n'a jamais eu dans la santé en France. Hein. Un programme de 650 millions d'euros qui s'appelle la stratégie d'accélération de santé numérique, où là, on parle plus de prospectives, de la construction, de pérennisation de notre souveraineté numérique au travers du soutien, nos startups, nos industriels, etc., en tirant vers l'efficience, l'accès plus rapide à des remboursements sur des dispositifs numériques connectés, travailler sur des accélérateurs de santé numérique qui lient hôpitaux et start-up ou industriels, c'est travailler sur la formation, c'est travailler sur le financement de technologies du futur, les digital therapeutics, les algorithmes de détection précoce de maladies à base d'intelligence artificielle, préparer l'avenir pour pas faire que du rattrapage non plus, mais à nouveau, ma conviction profonde, c'est qu'il faut avoir cette humilité de dire maintenant, fixons-nous un objectif relativement simple, parce qu'en gros, l'histoire de la maison, c'est très simple, mais faisons-le une bonne fois pour toutes et ensemble. Derrière ça, juste deux petites planches et après peut-être échanger un petit peu avec vous. À partir de janvier 2022, nous tous, depuis notre naissance, on aura un espace numérique de santé, donc on appelle Mon Espace Santé, qui est une sorte de DMP augmenté, si vous voulez, hein, où on aura notre coffre-fort numérique de données de santé. Donc, on a récupéré, on a complètement désossé le DMP, bon, pour plein de raisons, et je ne veux pas critiquer le passé. On a récupéré quelques briques techniques, on a fait un coffre-fort numérique de données de santé hébergé en France, etc., avec beaucoup plus la même pour les gens eux-mêmes de pouvoir renseigner leurs données de santé, renseigner leur profil médical, leurs antécédents, si leur médecin n'est pas informatisé, de prendre une photo, de mettre le truc à l'intérieur, comme au lieu de garder leurs documents dans leur armoire, de le mettre dans un espace numérique sécurisé à leur main, et c'est eux qui gèrent le consentement d'accès à leurs données de santé. Deuxième brique, on aura tous une adresse de messagerie sécurisée, une messagerie sécurisée de santé, qui sera basée sur notre INS, notre identité nationale de santé, ça sera en gros mon numéro de sécu, patient.mssanté.fr. Dès lors que j'ai cette adresse-là, n'importe quel professionnel qui a son logiciel compatible avec les messageries sécurisées de santé nationale, ce que je vous ai montré tout à l'heure, eh bien, il peut établir enfin en France, c'est le béaba, hein, quand même, un canal sécurisé qui respecte toutes les normes de sécurité sur les données de santé. On aura un agenda santé dans lequel on pourra ranger tous les événements santé, les rendez-vous, un prochain examen de prévention, tout événement. Et dans la philosophie de l'État plateforme dont je vous parlais tout à l'heure, de la métaphore de la ville, un store, un catalogue d'applications numériques d'applications développées par notre écosystème, des outils de téléconsultation, des dispositifs médicaux connectés, je ne sais pas quoi, un glucomètre connecté, des applications de prévention, des applications de portail patient ou de préadmission dans les hôpitaux, des applications, toute la mouvance des digital therapeutics, toutes ces applications-là de prise de rendez-vous, tout ça,
Ben, on propose aux industriels qui développent ça de dire créer ces innovations, on les référence dans un catalogue, on vérifie un certain nombre de critères éthiques, de sécurité, d'interopérabilité. Et si votre application elle est exposée dans ce catalogue, les Français ou les citoyens qui veulent utiliser ces applications, eh ben, ils pourront synchroniser ces applications avec les autres briques, leur messagerie, leur agenda et leurs documents de santé. Donc, pour ça, en fait, on est sur un planning où on, trois départements pilotes ont été mis en œuvre depuis cet été. Donc, Haute-Garonne, plus beau département de France, comme vous le savez, la Loire-Atlantique et la Somme, avec aujourd'hui voilà, à peu près 3,7 millions de mon espace santé ouvert. Voilà, où on n'a pas fait ça avec tambour et trompette. Voilà, moi, je crois à l'humilité. Et on a voilà, débugué, réglé les problèmes techniques, etc. Et on restera dans le timing que j'avais annoncé il y a 3 ans. À partir de janvier 2022, on va généraliser ça à tous les Français. Donc, chacun d'entre nous, on va recevoir un courrier, un message de l'assurance maladie, un mail, nous annonçant que on nous proposera d'activer notre espace numérique de santé. On aura 6 semaines pour s'y opposer. Si au bout de 6 semaines, on ne s'y oppose pas, en fait, l'espace sera ouvert pour que les professionnels de santé, les hôpitaux, les biologistes, tout le monde pourront l'alimenter en données de santé, hein, dès lors que leur logiciel sera lui-même compatible, aura passé la labellisation. Et à tout moment, évidemment, les gens ils peuvent le fermer, le réouvrir, etc. Mais en tout cas, c'est un mécanisme qui est l'inverse du DMP, c'est-à-dire que si vous ne vous y opposez pas, on le crée pour permettre en fait, l'alimentation en données de santé. Voilà à peu près, très rapidement, pour vous rendre un petit peu de temps de discussion. Juste en 2 secondes, vous montrer, si vous êtes d'accord, juste à quoi ça ressemble en vrai. Ah oui, volontiers. Ouais, ça vous va? Donc, c'est pas juste pour montrer que je ne fais pas que tchatché et que ce n'est pas du fake. Alors voilà, là vous êtes sur mon espace à moi, donc c'est perso, c'est pas, je veux dire, c'est pas une démo quoi, vous êtes vraiment dans mon espace numérique de santé. Donc là vous, je sais pas si vous voyez ma souris, vous pouvez me dire si vous la voyez. C'est bon. Donc en gros, en haut là, on est encore dans la phase pilote, donc il y a les premières briques dont je vous ai parlé, donc le nouveau DMP qui s'appelle document de santé. La messagerie et ce qu'on appelle le profil médical, c'est-à-dire la possibilité pour que les gens eux-mêmes puissent renseigner leur histoire médicale avec leurs mots à eux, leur sensibilité à eux, en complément de ce que les médecins vont mettre. Et à partir de l'année prochaine, il y aura 2 autres briques, donc l'agenda et le store, le catalogue d'applications, hein, très concrètement. Donc là, si on fait un petit tour sur mon espace à moi. Donc là, dans mon profil médical, c'est moi-même qui renseigne mes trucs, voilà, ma thyroïde, mes troubles de digestion, mes hospitalisations, voilà, quand est-ce que j'ai été opéré, mes allergies, voilà, j'ai renseigné mes vaccinations, je ne rentre pas dans tous les détails, quand est-ce que j'étais vacciné de la grippe, etc. Mes mesures de santé, voilà, que je peux renseigner là, mais qui permettront, dès lors que j'aurai une application connectée dans le store, ben, de synchroniser et de récupérer aussi mes données, mes antécédents familiaux, mes contacts, directives anticipées, personnes de confiance, etc. Et évidemment, la récupération de l'historique des soins, de l'assurance maladie, ce que j'ai consommé. Et à tout moment, ben, moi, je peux télécharger mon profil médical et puis voilà, montrer, l'envoyer par un canal sécurisé, par exemple en préadmission à un hôpital pour éviter que l'infirmière perde du temps et qu'elle puisse travailler le dossier à l'avance et puis que moi, je sois trop stressé le jour de mon admission et que j'oublie la moitié des trucs à dire de mes antécédents, mais que je prépare et que je sois acteur de mon soin aussi au travers du numérique. Derrière ça, ben, les documents de santé, donc l'équivalent de l'ancien DMP, mais qui est beaucoup, beaucoup plus à la main du citoyen, du patient. Donc là, vous voyez en haut à droite, il y a un bouton « Ajouter documents ». Très simplement, je peux prendre en photo, je peux faire un drag and drop pour mettre moi-même mes données de santé dans un espace sécurisé. Le médecin sait que ça vient de moi, hein, donc on ne mélange pas les données professionnelles de santé, donc tout ça, c'est tagué, c'est vérifié. Mais je laisse la possibilité aux gens aussi d'utiliser le numérique dans un coffre-fort numérique de santé. Donc, je ne sais pas, moi, par exemple, j'ai mis moi-même… un scanner que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, que d'ailleurs mon radiologue avait sur sa propre plateforme qui était non sécurisée, que j'ai récupéré, que j'ai mise dans le coffre-fort numérique.
Donc ça, c'est des données que moi-même j'ai mises. Et puis, comme le logiciel qu'il y a dans la clinique dans laquelle j'avais été opéré est lui-même, ça y est, labellisé Ségur, c'est-à-dire il respecte les normes dont je vous ai parlé avec les 2 milliards, lui, ça y est, il a basculé, et bien, j'ai pu récupérer mes codes, mes comptes rendus opératoires de quand j'ai été opéré de la thyroïde en 2004. Et ça, c'est venu automatiquement dans mon espace parce qu'en fait, ça y est, l'éditeur, l'industriel, ça y est, il a passé tous les tambours, les certifications. Et donc, mon hôpital a pu me restituer mes données de santé. Et donc, derrière ça, vous avez la messagerie sécurisée de santé, donc voilà, qui marche super bien, ça y est. Donc, nous, dans les territoires pilotes, on est en train de l'utiliser beaucoup plus. Donc, vous voyez, ce que j'ai surligné en bleu, c'est mon adresse à moi. Donc, en gros, mon INS, mon identité nationale de santé, qui est mon numéro de sécu, mais pour un enfant, c'est un numéro d'attente, @patient.mssanté.fr, juste avec mon numéro de sécu, un professionnel de santé, un établissement de santé qui a une messagerie sécurisée, il peut envoyer un message et moi, je peux lui répondre par un canal sécurisé, lui renvoyer des documents, etc. Donc, là, vous voyez, mon établissement, on a fait des tests. Voilà, il envoie un message et moi, je peux répondre, ajouter une pièce jointe et dialoguer par un canal sécurisé. Voilà, donc on n'est pas que sur un truc théorique où il n'y a qu'à Faucon, on est les mêmes dans le cambouis du réel. Juste pour terminer, vous dire que je sais bien que quand il y a un type ou une nana des pouvoirs publics qui dit on va faire un truc, personne ne le croit. Juste vous dire qu'on est déterminé, comme diraient mes enfants, on est déter, hashtag méga déter pour faire aboutir le truc. Et moi, je pense qu'autant on a passé une dizaine d'années où la France est en milieu de peloton, on va dire, en matière de e-santé en Europe. On n'est ni les plus mauvais, ni les meilleurs. Moi, je pense que si on ne lâche pas l'affaire sur cette vision-là, et je pense que les industriels sont vraiment motivés pour rentrer dans ce cadre régalien, d'ici 18-24 mois, on fera partie des pays leaders avec cette vision, comme je vous expliquais, souveraine, citoyenne et éthique. Voilà, merci à tous pour votre écoute. Je n'entends personne, moi, je ne sais pas si c'est normal. Je veux bien vous poser une petite question, si on peut. Sophie, je crois qu'il y a quelques questions, mais je pense qu'il faut désactiver votre micro et la poser parce que sinon, on est juste dans le grand blanc. Madame Olivier, si vous vouliez désactiver votre micro, enfin, remettre votre micro plutôt. Désolée, ça fait trop d'écho, je crois. Si, c'est bon? Ok. Oui, j'avais une petite question. D'abord, un grand merci. Vous m'entendez ou pas? Oui, moi, je vous entends. D'accord. Donc, non seulement déter, mais très enthousiaste. Merci pour votre présentation. C'est vraiment très, 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 très riche. J'avais une petite question. Est-ce que vous pourriez repréciser s'il y a une interface ou un lien entre cet espace numérique de santé et le Health Data Hub? Non, il n'y en a aucune. Même la loi aujourd'hui l'interdit. D'accord? Il n'y a pas de… Le Health Data Hub, c'est vraiment l'alimentation du Health Data Hub. C'est dans des cas très particuliers avec des appariements sur des bases de données de santé. Mais il n'y a aucun lien entre l'espace numérique de santé et le Health Data Hub. Peut-être que demain, on pourrait imaginer une fonctionnalité dans mon espace santé qui laisserait la main aux citoyens de dire… moi, je veux bien donner quelques-unes de mes données de santé, les anonymiser, et comme je donne de mon sang, les données au Health Data Hub. Mais en tout cas, aujourd'hui, même la loi, les textes réglementaires ne le permettent pas. D'accord, merci beaucoup. Et juste une deuxième question. Est-ce que dans les exports des dossiers de santé, tels que vous nous les avez montrés en vrai, est-ce que vous avez prévu un standard?
vous permettre de réutiliser dans la mesure où vous avez parlé beaucoup d'interopérabilité? Ouais, eh ben, oui, bien sûr, il y a un standard derrière, mais à nouveau, je milite pour une vision humble. C'est-à-dire qu'il y a des standards aujourd'hui écrits depuis 15 ans, avec une logique d'interopérabilité sémantique, c'est-à-dire champ par champ, des choses sophistiquées, etc. Et on ne sait même pas s'envoyer un PDF, d'accord ? Donc, moi, je milite pour une vision pas à pas, humble. Et en gros, dans les données de santé qu'on a standardisées, il y a un format qui s'appelle le format CDA. Et en gros, pour les comptes rendus d'hospitalisation dans un premier temps, hein, donc temps 1, entre maintenant et l'été prochain, on démarre par des trucs faciles. Temps 1, les comptes rendus d'hospitalisation, les comptes rendus de radiologie, les ordonnances, les courriers seront en niveau CDA 1, en standard, en format donné CDA 1, c'est-à-dire en gros, pour faire très très court, une sorte de PDF indexé avec l'identité nationale de santé. Seule la biologie franchit d'entrée dès cette année une structuration des données selon un format qu'on appelle le CDA niveau 3. À partir de l'année prochaine, on va franchir un degré d'exigence supplémentaire en disant compte rendu de biologie, compte rendu d'hospitalisation, cancéro, etc. On va franchir une étape de structuration des données. Et moi, je milite pour le truc qui est opposé à cette espèce de truc à la française où on se fixe un truc hyper beau sur le papier, on est incapable de le faire techniquement. Donc, moi, je milite pour, on franchit une première étape, ça sécurise tout le monde, on se donne confiance en nous et on franchit une étape de plus au niveau difficulté. Très bien, merci. Merci infiniment. Je suis désolée, on a eu quelques problèmes techniques du côté IHEST. Vraiment, c'est absolument enthousiasmant. Je comprends que l'équipe de France a rattrapé 15 ans de retard en quelques mois. Est-ce que au sein de l'Europe, on a rattrapé, on est dans la Ligue des champions ou est-ce qu'on a encore du retard par rapport à d'autres pays? En quelques mots, je suis désolée parce que le temps passe. En quelques mots, il y a des pays comme le Danemark, par exemple, qui étaient un peu en avance. Mais ce qu'on voit arriver là depuis quelques mois, c'est que l'Allemagne, la Hollande, l'Italie et même le Danemark maintenant sont en train de venir nous voir pour s'inspirer de tout ce qu'on est en train de construire. Donc, nous, on a cette épreuve du feu de l'année 2022. Puisque vous avez compris que les logiciels de santé des médecins, des hôpitaux, il va leur falloir à peu près 12-18 mois pour être compatibles et connectés à mon espace santé. Mais à horizon 12-18 mois, je pense vraiment qu'on fera partie des... On n'aura pas tout résolu, bien sûr, je suis humble, et puis il y aura les critiques et les sarcasmes et l'autoflagellation à la française, bien sûr. Mais dans la vraie vie et en vrai, on aura franchi un cap qui nous placera vraiment dans les tout premiers Européens. On nous demande maintenant d'intervenir aux États-Unis pour expliquer la stratégie française. Je pense qu'on pourra vraiment être leader, je pense vraiment. Merci beaucoup, c'est vraiment une grande dose d'optimisme. Bravo. On va passer maintenant à réaction de quelques acteurs au sein de cette transformation numérique, en particulier à ce que vous avez présenté. Je vais passer la parole à un autre Toulousain, s'il est là, Cédric Giorgi. Bonjour Cédric. Qui est directeur général adjoint de Caduceo, donc une start-up qui développe des solutions basées sur la donnée pour les hôpitaux. Donc Cédric, vous êtes là avec un œil encore assez neuf sur la santé. Et exactement, bonjour à tous. Pour nous donner votre point de vue de start-upper. Je vous passe la parole parce qu'on est déjà un peu en retard. Oui, alors, deux Toulousains d'affilée. Je ne sais pas si c'était fait exprès, mais en tout cas un plaisir. En plus, passer après Dominique. En fait, je ne vais pas forcément faire un regard croisé parce que je vais plutôt faire un regard complémentaire. Confirmer ce qui est dit et peut-être apporter un angle un peu différent, en tout cas sur ce dont je vais vous parler, c'est-à-dire l'hospitalier, et puis forcément l'angle de la start-up et un angle sur les données. Donc, le mouvement, il est en marche, il n'y a pas de débat. La feuille de route, elle est tenue. Les éditeurs historiques, hein, j'en reparlerai, sont ceux qu'il fallait secouer. Je ne sais pas, je suis arrivé en cours d'intervention de Dominique, je ne sais pas s'il a utilisé l'expression bâton-carotte, mais c'est un peu ça quand même qui s'est passé, hein, donc quand même dire à certains éditeurs qu'il était un peu temps d'arrêter les chasses gardées.
si vous voulez. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient aider les établissements à mieux comprendre les données qu'ils ont en propre. Donc, on est sur donc ce qu'on appelle la data science, et on essaie de créer de la valeur pour les établissements, pour les patients, pour les professionnels, grâce à ces données. Et on se confrontait à plusieurs enjeux, dont l'accès aux données. Non pas que les établissements ne voulaient pas, sachant qu'après, on montre évidemment toutes les... tout ce qu'il faut en termes de pattes blanches sur au niveau les DPO qui se parlent, l'hébergement sécurisé des données. Mais par contre, vous aviez des éditeurs dont les établissements sont clients qui mettaient des freins pour que ces données soient accessibles, que ce soit des freins financiers. Donc, l'établissement devait payer un éditeur pour réexploiter des données sur lesquelles il paye déjà l'éditeur. Vous voyez un peu le monde dans lequel on est encore, ça bouge. Mais on est encore et les initiatives de Ma Santé 2022 vont là-dessus. Ce qui a, là où je vais être un peu plus, non pas pessimiste, mais en tout cas attentif, c'est sur l'acculturation à l'usage des données de santé dans le monde hospitalier. On en a un peu parlé en préparation. Hein. On l'a vu avec la crise Covid. Ça a eu des effets positifs, mais il y a encore un grand enjeu sur expliquer, acculturer, accompagner pourquoi en fait s'intéresser à la donnée au quotidien, hein, et pas que sur des éléments cliniques, mais aussi sur l'organisationnel, peut aider. Donc ça, c'est encore quelque chose qui est assez, assez frais. Et un autre angle, et puis après, vous me direz Isabelle, par rapport à ce qu'on avait prévu, ce sur quoi vous voulez que j'insiste un peu plus, mais sur la collaboration avec les sociétés innovantes, où on est encore sur un... C'est pour ça que le cadre est intéressant, hein, dont parle Dominique, hein, pour que tout le monde ait confiance les uns avec les autres. Moi, j'ai l'impression de retourner 15 ans en arrière sur des collaborations entre start-up et secteur privé, c'est-à-dire qu'on vient, on nous demande de faire des POC, des expérimentations, mais on n'a pas confiance pour le fait de dire on va s'investir dans le temps et on va faire appel à des startups parce qu'on pense qu'elles vont aider le système et en l'occurrence l'hôpital. Donc là, il y a encore des freins et des freins qui viennent pour beaucoup aussi de la gouvernance de beaucoup d'établissements, hein, où c'est très centralisé la décision, la redescente pardon pour le franglais, de l'ownership, mais donc le fait de pouvoir donner de la responsabilité à des personnes hautes que les directions des établissements n'est pas quelque chose qui existe dans la majorité. Attention, je fais des généralisations, mais qui compte pour beaucoup, surtout dans le public. Donc ça, c'est encore quelque chose sur lequel on a un enjeu. J'ai changé il n'y a pas longtemps pour vous dire et parler en toute transparence que là où on avait peut-être un enjeu en termes de numérique et de culture de l'innovation, c'est d'aller intervenir un peu plus souvent à l'école de Rennes, donc le HESP, donc l'école des hautes études en santé publique, qui forme la majorité, si ce n'est la quasi-totalité, des directeurs d'établissement. Alors pas tous, hein. Dominique, je ne crois pas que tu sois passé par là, mais la majorité... on sort de là et il y a un petit retard sur l'appropriation de l'innovation et sur le fait de, encore une fois, je reviens sur mon point et mon message, c'est se dire que les données, c'est un trésor, ça n'est un trésor que si elles ne sont utilisées dans un cadre éthique, dans un cadre souverain, mais par contre, il faut les utiliser parce que sinon, les IA qui vont déterminer le futur de notre santé, que ce soit parce que c'est les algorithmes qui vont donner des orientations sur notre santé ou des devices qui vont donner des orientations, ces solutions-là auront appris de données issues de l'étranger et pas issues de la France et de l'Europe. Oui, effectivement, j'allais poser aussi cette question à Dominique Pont, mais faute de temps, je ne l'ai pas fait. Il n'y a pas de volet formation dans ce grand programme. Or, l'impression qu'on a, enfin, en tout cas nous, simples citoyens ou usagers du système de santé, c'est que beaucoup de professionnels de santé, et donc Cédric souligne aussi de directeurs d'établissement, ont besoin d'être
d'être formé, de comprendre que le monde change. Et si on rattrape 15 ans en quelques mois, ça demande derrière un gros investissement dans la formation, non ? Alors, je vois que Dominique est encore là. Je vais faire un premier niveau de réponse et après, je vais évidemment le laisser compléter ma réponse. Je ne sais pas ce qui est du plan de formation. Le sujet de la formation, il démarre très loin. Moi, je me suis rendu compte de quelque chose, hein, c'est que ne connaissant pas le monde de la santé et arrivant de 15 ans dans le secteur du numérique et des startups, j'ai besoin d'écouter ceux qui sont dedans. J'ai monté un podcast qui s'appelle Hospitech où je vais à la rencontre des professionnels. Dans ce podcast, beaucoup disent qu'en fait, là où il faut changer, c'est aussi en fac de médecine, hein, et aller voir les doyens et regarder comment préparer en fait, au monde d'après ceux qui sont en cours d'études. Donc, il y a l'école de Rennes pour les directions, mais il y a évidemment aussi le fait de commencer à faire évoluer les formations des médecins et praticiens pour qu'ils commencent à intégrer les outils du numérique, parce que sinon, ils font une certaine barrière. Ou alors ils vont vers, et c'est absolument vrai, hein, ils vont vers ce qu'ils connaissent à titre privé, c'est-à-dire le WhatsApp ou le Gmail. Et puis parce qu'au service du patient, je vais vous donner une anecdote d'un DSI, d'un établissement avec lequel on échangeait il y a peu, qui se retrouve confronté à cette problématique de dire, ben voilà, moi j'ai le médecin en face qui est là pour le patient, comme la majorité, mais qui va dire, moi j'ai une question à me poser. J'ai une photo, j'ai besoin de l'avis de confrères. Comment aujourd'hui j'organise le partage de cette photo dans un cadre sécurisé pour garder, hein, donc pour éviter la perte de chance, hein, de mon patient, parce que j'ai besoin de l'avis de mes confrères. Et je ne vais pas attendre que les solutions se déploient. Si elles ne sont pas déployées, qu'est-ce que je fais ? Je l'envoie sur WhatsApp. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mal ? Libre à chacun de répondre, parce que ce n'est pas si simple que ça à répondre. Ouais, donc juste Isabelle, un tout petit complément. Dans le financement et le programme France Relance Stratégie d'accélération santé numérique, j'en ai touché 2 secondes. En fait, il y a une grosse partie du budget, c'est la formation initiale continue en revoyant tous les programmes des professionnels de santé. Donc là, il y a un chantier avec un vrai budget identifié, des travaux en cours. Il y a une personne qui est dédiée dans notre équipe qui travaille que là-dessus, que sur ces sujets. Et c'est un travail de longue haleine, évidemment, mais en tout cas, là ça y est, on a le budget et le plan d'action, il est en cours. Et sur l'autre point que soulevait Cédric, sur un problème d'acculturation aux startups, parce que j'ai constaté dans des domaines connexes que l'État ne sait pas travailler avec les startups et ne leur fait pas confiance, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu ? En fait, on a mis en place, toujours pareil, hein, dans cette partie stratégie d'accélération, on a carrément travaillé sur un outil qui s'appelle Genius, G-N-I-U-S, vous pouvez aller le voir sur le web, hein, qui est un portail qui justement c'est les services rendus pour un start-upper qui a besoin de s'y retrouver, avoir le bon interlocuteur, comprendre les obligations réglementaires, la doctrine technique, son parcours, qu'est-ce qu'il doit faire. Ça a été vraiment travaillé avec tous les clusters digitaux là déjà depuis 2 ans pour avoir une plateforme et des gens derrière qui puissent répondre aux startups sur tous ces sujets. Donc là, vous regarderez, hein, sur le web, ça s'appelle Genius, G-N-I-U-S. Et donc ça, c'est 2 ans de travail aussi. Et justement, dans le cadre de France Relance, on a eu des budgets pour en faire quelque chose qui va aller même peut-être un peu plus loin que le numérique sur toute la partie innovation start-up santé. Donc, puisque ça rencontre, voilà, plutôt un succès vis-à-vis des start-up. Donc, je dirais que comme la stratégie qu'on avait initiée depuis le début, elle disait justement, c'est vous les start-up qui faites des maisons. Et comme disait Cédric, les gros éditeurs qui avaient tout verrouillé, on leur dit maintenant, tu dois répondre aux règles, tu n'as plus le choix. En fait, il y a plutôt quelque chose de positif. Alors, c'est jamais facile, hein, bien sûr, mais dans le lien État-start-up, là, ouais, je le sens plutôt pas trop mal. C'est pas parfait, mais c'est plutôt pas trop mal. En phase avec ça, le lien État-start-up, alors j'ai un biais aussi, hein, moi je suis partie de ceux qui ont aidé la French Tech à démarrer en 2013, donc qui ensuite s'est diffusé un peu partout. Donc, et la plateforme, effectivement, Genius est une super initiative. Le sujet, c'est plus ensuite quand vous venez. Et donc, par rapport à ce que vous disiez, Isabelle, il y a la relation start-up-État.
fonctionne. Hein. Vous regardez l'armée, paradoxalement, ce qu'on pourrait penser, il y a une stratégie du numérique au niveau de l'armée qui a très vite inclus en fait, des startups, donc ça marche. Vous avez des collectivités qui ont aussi très vite embrassé la relation avec les startups. Encore une fois, un peu de Cocorico Toulouse, mais la Toulouse Métropole fait partie de ceux qui savent le mieux travailler avec des startups. Ma réflexion, elle est plus à l'échelle d'un établissement, là où se prend la décision, où là, il y a un sujet. Et en fait, c'est un sujet qui est à la fois très dur et très simple. Et si on s'inspire du privé, qu'est-ce qui s'est passé dans le privé pour que ça devienne un sujet? C'est que ça a été valorisant pour le décideur dans le côté privé de faire appel à une startup. Quand on fait appel à une startup, on prend un risque, qu'on le veuille ou non, qu'on borde dans tous les sens. Mais c'est une culture de risque qui doit s'installer et de dire, peut-être que ça va se planter, mais au moins j'ai bordé. Et puis, le fait de me planter dans cette initiative fait que je vais quand même continuer. Et à la deuxième ou à la troisième fois, ça va marcher. Mais cette culture du risque de partenariat s'est installé dans le monde privé, et c'est ça qui a fait qu'un manager dans une entreprise privée ou dans une collectivité, en l'occurrence quand cette culture s'est établie, va le faire parce qu'il se dit de toute façon ça ne mettra pas à mal ma carrière ou ma décision, etc. Cette culture du risque de la collaboration avec une petite entité, c'est cet aspect-là qui n'est pas encore arrivé dans la majorité des établissements pour faire autre chose que du POC. Ce qui existait il y a 10 ans, l'open innovation dans le secteur privé, c'est comme ça que ça a démarré. Hein. C'est des POC, on regardait un peu. Mais il faut aller sur l'étape d'après et driver notamment l'achat de solutions innovantes. Il y a le clinique et puis il y a l'organisationnel. Et c'est souvent sur l'organisationnel où nous, les startups du numérique, on peut aussi apporter des choses. Dominique a un exemple avec Pasteur, encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le média. Hein. Mais malheureusement, il faudrait déployer plus largement. Et ma santé 2022, des fois quand on en parle entre startups, on dit, ça tombe bien, on est bientôt en 2022, donc super, comme ça c'est bon, on sait que ça, ce socle est là. Et nous, ce qu'on veut, c'est les étapes d'après, en fait. Ouais, et juste pour te compléter, Cédric, il va sortir toujours pareil dans le cadre des budgets stratégie d'accélération santé numérique, un appel à projet pour qu'il y ait une grosse vingtaine d'hôpitaux qui soient mandatés et financés justement pour être des lieux d'incubation de start-up, de test in situ, et avec pour servir en fait de ces lieux, de ces tiers-lieux d'expérimentation in situ. Voilà. Donc, juste que tu saches ça va sortir début 2022. Génial. Un élément pour compléter aussi, et pourquoi c'est important, puisque pour essayer d'ouvrir au maximum de startups, c'est qu'il y en a. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est que non seulement donc, les innovations issues de startups apprennent grâce à des données autres que françaises ou européennes, mais il y a aussi des enjeux sur le fait que ces innovations soient disponibles aux patients français, européens. Puisqu'il y a quelques startups qui seraient tentées, de par certaines complexités d'accès marché, d'avoir leur R&D ici, mais ensuite d'aller commercialiser ailleurs, et donc faire que ces innovations soient développées en France, mais accessibles aux patients étrangers en priorité, ce qui serait un peu dommage en termes de cycle au bénéfice du patient toujours. Ok, merci beaucoup Cédric. Merci à vous pour l'invitation. Nous allons passer maintenant au point de vue d'une très grande entreprise avec Carla Gomez. Oui, bonjour Carla. Bonjour à tous. Directrice du marché santé chez DocaPost. Et vous avez été en charge du développement commercial, de la stratégie dans un grand groupe et avant dans une grande entreprise de technologie Philips. Donc vous, c'est le point de vue des grandes entreprises. Donc, dites-nous d'abord quelques mots de DocaPost, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse bien. Et puis ensuite, quelle est votre réaction aux propos déjà tenus? Bonjour à tous et merci pour cette invitation. DocaPost, comme on peut l'entendre, est une filiale du groupe La Poste. Quelques chiffres. Clé, c'est la filiale numérique du groupe La Poste, donc c'est une filiale qui a un peu plus de 40 ans. Aujourd'hui, on a des axes métiers très variés, puisque on adresse un peu plus de 23 000 clients
90% du CAC 40 et un peu plus de 5 000 administrations. Mais surtout, on est très attaché et à l'empreinte de confiance de La Poste. Hein. Quand on parle de La Poste, c'est l'acteur de confiance depuis un peu plus de 500 ans. Et donc, La Poste se veut être l'acteur numérique de la confiance sur l'axe confiance et données. On a aujourd'hui, parmi nos métiers, on a 4 data centers en propre qui sont en France et opérés par nos services, qui sont certifiés HDS et en cours de certification Secnum Cloud, et plus particulièrement en santé, puisque là où on connaît Doca Post sur l'ensemble des métiers de digitalisation des process, de confiance et autres, en santé, on est pas nécessairement connu, puisque souvent avec des briques derrière des éditeurs ou des briques de services, mais on se veut être le catalyseur numérique d'un écosystème qui allie les acteurs et les utilisateurs de la santé, à la fois secteur public, du privé et des éditeurs, des startups, avec l'objectif de créer du lien et de la fluidité dans la circulation de l'information. Alors, dans l'information du patient. Alors, ça veut dire quoi et ce que l'on fait d'une manière dans nos activités? On a 3 axes principaux. Donc, le premier qui est de faciliter le partage entre les différents acteurs de la santé en s'appuyant notamment sur nos solutions de connectivité et en l'occurrence nos solutions de connectivité qui permettent l'accès à la maison que nous a montré Dominique Pont tout à l'heure, donc l'accès au service socle. Donc, des solutions de connectivité. Le second axe, qui est de contribuer à la sécurisation et la fluidification des parcours de soins. Donc, on parle de numérisation ou transformation numérique du parcours de soins. Et là, on a des solutions pour ramener cette confiance et donc des solutions de confiance. On parle de solutions de consentement, à la fois consentement RGPD, consentement médical, mais également des solutions d'identification qui viennent s'assurer ou qui viennent contribuer à l'identitovigilance. Dominique le mentionnait tout à l'heure, on part d'un système de soins où chaque outil, chaque logiciel a son propre identifiant. Donc, on a un certain nombre on a un certain nombre d'actions et de solutions pour contribuer à la bonne identification du patient. Et le troisième axe que l'on développe, c'est faciliter la valorisation des données ou plutôt une utilisation intelligente des données de santé. Donc on rejoint un peu ce qu'a présenté l'activité de Caduceo et Cédric Giorgi sur les données et ce besoin que l'on a d'utiliser ou de travailler, d'explorer les données, parce que c'est effectivement un trésor. Et bien qu'aujourd'hui, ces données on en a un peu partout, on a besoin d'amener du réglementaire, de la confiance, de la sécurité, de la souveraineté, de l'éthique, de façon à ce que le patient soit en confiance vis-à-vis des données. Tout à l'heure, je crois que c'est Dominique qui mentionnait que... Dominique mentionnait les utilisateurs et les patients ne sont pas en confiance avec le numérique. Alors je crois que Cédric l'a mentionné également. Il y a une étude assez récente qui disait que cette confiance s'érode en plus au fil de l'actualité, au fil des années. Et on est à un peu moins de 57%, je crois, d'utilisateurs du numérique qui sont en confiance. Aujourd'hui, c'est dramatique. Donc, de les remettre au centre et de leur redonner un rôle, de donner au patient un rôle dans son parcours de soins, c'est aussi lui redonner confiance et le remettre au centre
au centre de son parcours. Donc, cette maison de l'ENS et mon espace santé permettre aux patients d'être dans un cadre qui est sécurisé, qui est souverain, c'est un grand pas dans l'accélération du numérique. Ensuite, Isabelle, vous m'aviez questionné sur les grands défis que l'on voyait côté d'un industriel et côté d'Ocapos pour réussir le virage et cette transformation numérique. Et aujourd'hui, alors quand on regarde le système de soins et quand on le voit d'un point de vue patient ou vraiment système de soins, le système de santé en France, il est d'excellente qualité et reconnu comme tel. Par contre, effectivement, on a accusé au fil des années un retard dans le numérique et aujourd'hui, ce rattrapage, donc malgré ou grâce à la crise, on dit qu'on a gagné 10 ans en 15 mois. On est en mesure de répondre à un certain nombre avec le numérique en santé et on est en mesure de répondre aux différentes problématiques, alors que ce soit l'accès aux soins ou répondre à des problématiques de désertification médicale, répondre ou mieux répondre avec des suivis, des télésuivis. Pour répondre aux problématiques d'incidence et prévalence des maladies chroniques. Pour autant, tout ne peut pas être en numérique. Et quand on voit aujourd'hui le numérique en santé comme un accélérateur et pour répondre aux problématiques de l'ensemble, enfin du parcours de soins, là on se retrouve, il faut qu'on soit particulièrement vigilant sur le fait de ne pas laisser de côté une frange de la population. Donc ce mix et les enjeux, enfin les défis tels qu'on les voit avec cet accès, c'est de conserver ou d'améliorer, enfin conserver et d'améliorer la qualité des soins en réduisant les coûts, se poser les questions quand même sur le consentement du patient à l'utilisation de ces données comme aux actes médicaux et qui est probablement moins évidente dans un contexte numérique, d'assurer évidemment la sécurité des données que l'on génère en ligne, à la fois la réglementation, donc on est plutôt bien loti en France, hein, que ce soit avec les certifications d'hébergement de données de santé, que ce soit avec le RGPD, le règlement européen qui pose un certain nombre de règles quant à l'utilisation ou à la protection des données personnelles. Et on a également un certain nombre de surcouches avec la CNIL, avec la loi E20. Ce qui est important, c'est effectivement de rassurer au maximum les patients et les utilisateurs de façon à ce que, là encore, on amène de la confiance dans le parcours numérique. Ensuite, alors je ne sais plus quelles étaient, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions ou d'autres points. Mais si je rebondis par rapport aux différents échanges ou en tout cas par rapport à ce qu'a mentionné Dominique Pont, à ce qu'ont mentionné Cédric Giorgi par rapport aux différentes problématiques et l'importance de la souveraineté, alors française ou européenne, mais sans être anti-GAFAM ou être alarmiste, aujourd'hui, cette notion de souveraineté, elle est particulièrement importante parce que lorsque l'on voit ce qui peut être fait ou ce qui est fait, que ce soit avec les programmes outre-Atlantique, les America's First, avec le Cloud Act, ou même de l'autre côté, le durcissement de la Chine, on a besoin d'avoir en France un cadre, des briques, et tout à l'heure, on parlait de la Bible des référentiels, la Bible des règles de l'urbanisme. On a besoin d'avoir cette souveraineté. Alors, on l'a aujourd'hui, enfin, on a aujourd'hui un certain nombre de leviers, hein,
les services socles qui permettent de réglementer l'État plateforme. On a également un certain nombre d'industriels, d'éditeurs qui sont forts et on a la possibilité d'avoir ces alliances, de mettre en commun nos innovations et de maintenir et de prévenir ou de garantir cette souveraineté, de garantir que nos données sont dans un cadre éthique, sécurisé et souverain. Et par rapport à ça, aujourd'hui, on a en tant qu'utilisateur et patient, et quand bien même on baigne dans le numérique et on se pose quand même la question de ce que l'on fait de nos données, de l'autorisation ou du consentement qu'on en fait. C'est des points qui amènent pas mal de vigilance. Quand on voit par exemple qu'aux États-Unis, les données de santé n'ont absolument pas la même protection. Pour vous donner un ordre d'idée, lorsque les établissements peuvent partager avec n'importe quel acteur privé les données sans aucun consentement du patient, à condition que le partage de ces données puisse avoir un bénéfice pour le soin ou pour la mise en opération des soins. Voilà, c'est quand même des sujets qui questionnent, en tout cas. Je ne sais pas, si Isabelle, si vous aviez d'autres questions ou s'il y a d'autres points que vous souhaitiez que l'on aborde. On a évoqué le consentement des données, on a évoqué l'identification qui est l'identification des patients qui est particulièrement importante. L'importance également de la souveraineté, enfin, ou d'avoir les données qui soient dans des environnements sécurisés, souverains, éthiques. Est-ce qu'il y a d'autres sujets par rapport à nos échanges précédents ? J'ai l'impression que l'image est figée. Alors je peux continuer, mais par rapport à Cédric, ce que vous disiez par rapport à d'un côté les startups effectivement et l'alliance startup-État, moi je pense qu'il y a un travail également avec les industriels, avec startup, les industriels et l'État, donc de façon à accélérer et mettre en place ou passer du POC à la réalisation, parce que aujourd'hui effectivement il y a quand même pas mal d'innovations et quand on parle de rattrapage de retard ou d'innovation, d'accélération, de mise à disposition des données pour faciliter l'apprentissage et notamment l'apprentissage de l'IA, on se retrouve souvent avec des projets qui sont qui reste à l'état de POC et l'importance de passer à l'étape d'après, donc alors à la réalisation et à la généralisation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui nous tient à cœur particulièrement chez DocaPost. On a un incubateur de start-up French IoT qui aujourd'hui accompagne un peu plus de 300 start-up. On en accompagne un peu plus de 100 tous les ans. Donc, on est déjà depuis 2015 à la 7e édition. Et c'est effectivement ce travail travail en commun qui fait que l'on est capable de porter l'innovation sur le terrain et d'asseoir des outils de confiance dans un cadre sécurisé, souverain. Donc d'amener de plus en plus cette accélération et surtout en confiance. Merci beaucoup, Carla. Vous m'entendez cette fois ? Oui. Je suis désolée, il y a encore eu un problème de micro, vous deviez avoir l'impression de parler dans le vide, mais en tout cas, nous, on vous entendait très bien. Bon, très bien. Désolée pour cette absence de dialogue. Merci beaucoup, en tout cas, c'est très intéressant. Je vous en prie. L'heure tourne, donc je vais passer la parole à Isabelle Adnaud, qui, je crois, a pu nous rejoindre, parce qu'elle est... Isabelle Adnaud si. Est membre du collège... Bonsoir, madame. Vous êtes membre du Collège de la Haute Autorité de Santé et comme vous m'avez dit encore hier, c'est très chaud en ce moment, ce qu'on peut comprendre.
mais on avait vraiment envie de vous entendre parce que, outre votre expérience de longue date dans le numérique avec la mise en place du dossier pharmaceutique quand vous étiez présidente de l'Ordre des pharmaciens, ça c'est vraiment du numérique que les Français concrètement ont perçu, c'est vraiment un point positif. Vous êtes présidente de la commission qui autorise les dispositifs, enfin, qui évalue les dispositifs médicaux et en particulier les dispositifs avec une composante numérique. Donc, nous sommes très heureux d'entendre votre point de vue sur cette question du virage numérique et de la transformation numérique de la santé et des défis à relever. Merci beaucoup. Merci infiniment. Effectivement, je suis désolée parce que j'étais en réunion du collège de la Haute Autorité. Et donc, du coup, je n'ai pas pu entendre les intervenants précédents et j'en suis absolument désolée. Donc, peut-être il va y avoir des redondances. Donc, je vais aborder des points qui sont forcément un peu plus attachés à la Haute Autorité de santé. Avant, ce que je voulais dire, c'est que le numérique en santé, c'est pour moi une évidence. Une évidence et qui est aujourd'hui... au début, parce qu'en fait, on va voir arriver un véritable déferlement. Je crois qu'il faut qu'on ait conscience de ce qui arrive. Je dirais, moi, ce que je vis. Alors, pourquoi on vit les choses de cette manière-là? Tout bonnement, parce que déjà, dans notre vie privée, on voit bien que nos modes de vie, les rapports humains, tout a été strictement modifié. Et si je veux faire des comparaisons entre la santé et ce qui se passe à l'extérieur, c'est que si on y regarde, par exemple, tous, peut-être pas, mais beaucoup d'entre nous, quand on veut avoir de la musique, on achète un abonnement, si je peux dire, pour avoir de la musique au lieu d'acheter un disque, ce qui veut dire qu'on a dématérialisé tout bonnement les choses et adapté à la santé, ce sera les services. On peut démultiplier les exemples. On n'envoie plus de courrier, on n'envoie que des SMS, des mails et des tout ce que vous voulez. Donc, le rapport au temps a changé et que maintenant, il y a un raccourcissement temporel absolument évident. Donc, rattaché à la santé, ça va toucher toutes les questions d'égalité et d'accès au territoire. Et puis, on reçoit tous des messages tout à fait personnalisés. Alors, bon ou pas bon, peu importe, mais quand même. Et donc, on voit qu'attaché à la santé, on se retrouve avec toutes les questions de suivi, de prévention, de médecine personnalisée, comme ça a sûrement été évoqué au préalable. Aujourd'hui, il y a des prouesses. Mais quand je dis prouesses, le terme est réel. Ce sont des prouesses technologiques. Nous, on voit dans les dispositifs médicaux qui arrivent, tout ce qui est miniaturisation, des logiciels embarqués, de la communication sans fil, y compris bien évidemment dans les dispositifs médicaux implantables, etc. etc. Et en fait, on est au début, parce que je pense que très vite, on est maintenant arrivé à la croisée entre le digital, le monde du dispositif médical et les biotechnologies. Et là, on va faire un autre pas de géant, absolument géant. Alors, aujourd'hui, nous, qu'est-ce qu'on voit en commission? On voit énormément de dispositifs à un tel point que là, il y a eu le renouvellement de la commission. Avant, je cherchais, il y a 3 ans, des spécialistes de numérique, si je peux dire, de la commission. Maintenant, c'est inutile, c'est partout. Donc, du coup, les professionnels de la commission, eux-mêmes, maintenant, sont à même, franchement, de parler numérique. On a déjà évalué des dispositifs avec intelligence artificielle. On a d'ailleurs fait une grille pour cela. Et on en a eu en fonction innovation, on en a eu en innovation, forfait innovation, pardon, on en a eu dans le domaine du diabète, etc. Et ces jours-ci, mais je ne peux rien dévoiler bien évidemment, on a des dossiers sur des logiciels exclusivement. Donc on n'est pas du tout même dans un DM, si je peux dire, classique avec logiciel, on a aussi des logiciels de suivi de patients divers et variés. Alors, est-ce qu'il y a des freins, est-ce qu'il y a des leviers à tout ça? Bon, les freins, sûrement ça a dû être dit, et donc je ne vais évidemment pas en parler. C'est toutes les questions d'équipement, d'interopérabilité. Je suppose que Dominique Pont a parlé de ces questions-là, puisqu'elles sont de son ressort, et que c'est une évidence qu'il faut également de formation. L'idée est évidemment que personne ne reste sur le bord du chemin. Ceci étant, moi, ce que je vois dans les études au niveau des patients, c'est que quand on leur propose un suivi, par exemple, suite à une opération de rentrée et qu'il faut un suivi plus personnalisé, etc.,
Eh bien, écoutez, il y a des enquêtes de satisfaction des patients et on voit que finalement ça suit. Et nous, on voit les tranches d'âge et en tout cas, il n'y a pas de problème particulier. En tout cas, personne au bord de la route, ça c'est une évidence. Moi, ce que je vois, c'est qu'au niveau des professionnels, il y a de plus en plus de bi-formation, si je peux dire. Le monde du numérique, hein, monsieur Georgi, tout à l'heure, que je suis arrivée juste à ce moment-là, commençait à parler de son univers d'origine, ben oui, il y a ces biformations avec maintenant des croisements, si je peux dire, entre le monde du numérique et le monde de la santé. Donc voilà, donc les freins habituels aussi, c'est évidemment que tout le monde a accès à Internet numérique sur les territoires, etc., etc. Je voudrais revenir, moi, sur deux freins plus particuliers. Et parce que pour moi, ils sont d'importance. La première question, c'est qu'à partir du moment où je vous dis que ça va être un déferlement et c'est une réalité, ça veut dire qu'il y a la question de l'évaluation qui rentre en ligne de compte. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on prend un médicament, tout le monde sait que ça a été évalué. Lorsqu'on prend un vaccin, tout le monde sait que c'était évalué. Quand on utilise un dispositif médical, il est également évalué. Il y a des autorisations de mise sur le marché, c'est différent pour le DM, mais enfin, peu importe. Donc voilà. Et il n'y aurait strictement aucune raison, que moi je vois, pour qu'il n'y ait aucune évaluation ou pas suffisamment d'évaluation sur les éléments numériques. Et donc, du coup, ça pose quand même une vraie question parce que le monde du numérique est habitué à aller très vite en regard du monde de la santé qui est habitué, lui, sur l'évidence based medicine. Donc, du coup, il y a toute cette question de la recherche et la question de l'évaluation et de l'économie de la recherche qui doit être revue. On doit aider d'une manière ou d'une autre tous ces professionnels petites, grandes ou moyennes entreprises, mais surtout, je pense là, des petites, à passer le cap de pouvoir faire de bonnes études pour que ce soit utilisé dans le monde de la santé et sans qu'elle coule financièrement, soit par le coût de l'étude, soit par la longueur de l'étude, qui fait que pendant un temps, elle traverse une période difficile, voire disparaisse avant que ce soit mis sur le marché. Donc, du coup, il va bien falloir qu'on fasse, franchement, un modèle économique de la recherche en matière de numérique. Le deuxième point, c'est que là aussi, on se retrouve avec un modèle économique du monde de la santé qui n'est pas le bon actuellement. Alors, pourquoi il n'est pas le bon, enfin, du moins pour ces choses-là, on l'a bien vu pour la télésurveillance, c'est que du coup, jusqu'à maintenant, le financement est fait à la chose. Et comme je viens de dire, on est maintenant dans du dématérialisé, on casse des frontières avec le numérique. Et donc, du coup, il faut faire des financements différents. Donc, la télésurveillance, suite à l'expérimentation, donc maintenant, ça y est, ça c'est bouclé. Mais au-delà de ça, si on y pense, il y a parfois des outils numériques dont le financement pour avoir l'utilisation est à un acteur, alors que le bénéfice de l'outil numérique sera sur un autre acteur. Et on voit bien que, notamment entre la ville et les établissements de santé. Donc, on voit bien que ça pose problème, donc ça réinterroge toutes ces questions de financement. Voilà. Donc, pour moi, j'ai beaucoup d'espoir. Je vois aussi, alors, probablement, vous avez dû parler des données. On voit, nous, de plus en plus d'études qui sont sur des études, qui sont sur des données. J'ai fait un sondage, enfin un état des lieux très précis de tous les dossiers qu'on voyait, et je peux vous donner même des chiffres très précis parce qu'ils m'ont moi-même étonnée. Alors, on voyait bien que les choses étaient en train de bouger, mais les chiffres m'ont quand même étonnée parce qu'en fait, on utilise, nous, pour l'évaluation, de plus en plus d'études sur qui sont faites sur des données. Des données qui sont issues de bases de données diverses et variées. 66% des dossiers que nous voyons à l'évaluation contiennent des études sur des données. Et non seulement ça, mais 26% de ces dossiers-là ne concernent que et uniquement que des données qui ont été utilisées, des bases de données qui ont été utilisées. Donc, on n'est pas que
sur du suivi avec, lors des renouvellements, parce que sur ces 26%, donc où il n'y a que des données qui viennent de base de données, 77% de ces dossiers sont des premières inscriptions. Donc, on voit bien que nous, on a changé notre mode d'évaluation, très clairement. On accepte bien évidemment toutes ces études. Et maintenant, ce que je finirai par un regret, mais bon, qui va se régler, je suppose que pareil, vous avez dû en parler, c'est qu'à un moment donné, il faut que, comme tout va vite, et que c'est ce que je disais, la question temporelle en numérique, voilà, tout est accéléré, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut accéder à ces données beaucoup plus vite. Et si le temps de faire une étude clinique, robuste, etc., et n'est pas plus différent, ou du moins en sens inverse, si le temps de faire une étude sur des bases de données n'est pas si différent qu'une étude clinique classique, si je peux dire, alors à ce moment-là, il va y avoir un problème. Il va y avoir un vrai problème. Donc, il faut une ouverture des données. Et moi, personnellement, je déplore, par exemple, que la CNAM, ça nous gêne, nous aussi, Haute Autorité de Santé, je suppose, les industriels et tous ceux qui font des études, que, par exemple, on n'ait qu'une fois par an, une seule fois par an, accès aux données réactualisées au niveau de la CNAM. Voilà, donc on a toujours, enfin bon, si c'est le lendemain, ça va, on n'a pas un an de retard, mais ce n'est pas possible, c'est à l'automne que ça se passe, et en fait, on a besoin d'avoir accès à des données plusieurs fois que dans ce tunnel de une fois par an. Voilà, donc du coup, en conclusion, moi, ce que je dirais, c'est qu'on voit arriver les choses vraiment. On n'est pas du tout dans le futur, on est dans la réalité. Demain, avec les biotechnologies, ce sera encore plus. Et du coup, moi, j'ai vraiment confiance. Forcément, ça posera possiblement des questions de sécurité de données, etc. Tout ça est une évidence. Mais en tout cas, ça n'est pas de mon propre ressort. Donc, moi, ce sur quoi j'insiste, c'est sur le fait de l'évaluation de tous ces outils numériques. Parce qu'il faut là aussi qu'il y ait de la confiance. Ça va générer de la confiance si c'est bien évalué. Et c'est absolument essentiel. Je ne sais pas si j'ai répondu aux interrogations. Et désolé s'il y a eu des redondances. Oui, c'est très, très intéressant. Si je comprends bien, vous êtes tout à fait prête à accepter qu'une évaluation repose sur des données de base de données et non pas sur des essais cliniques à l'ancienne, je puis dire. On le fait déjà dans 26% des cas. Il y a une question de Jean-Claude Dron. On est un peu en retard, donc on va prendre juste une question rapide. Je vais aller très vite, merci beaucoup. Merci Madame Adenau pour ces éléments. Vous avez évoqué la problématique des modèles économiques qui ne sont pas forcément adaptés aujourd'hui. Est-ce que finalement les dispositifs de type article 51 sont les bons dispositifs pour adresser les articles 51 sont les bons dispositifs pour adresser ces questions-là? Et actuellement, dans les différents projets qu'on retrouve en phase d'instruction, est-ce que certains d'entre eux se concentrent spécifiquement sur ces aspects? Alors, moi, je pense que ça va bien au-delà de l'article 51. C'est très bien qu'il y ait des expérimentations dans les parcours avec l'article 51. Ça ne peut être bien évidemment bénéfique, mais moi, je pense que ça va bien au-delà et que la réflexion doit être poussée beaucoup plus loin. En fait, ce que je pense, c'est que le Code de la santé publique, lui, il est organisé en établissements de santé, en établissements privés, des cabinets médicaux, des pharmacies, des tout ce que vous voulez. Donc, vous avez des lieux, des structures. Vous avez ensuite des biens, si je peux dire d'autres biens, le médicament et le dispositif médical. Et que quelque part, le mode de financement, il est adapté à toutes ces cases qui existent dans le Code de la santé publique ou le Code de la sécurité sociale. Et en fait, aujourd'hui, c'est ce qu'on voit, le numérique casse tout ça, littéralement. Il casse toutes ces frontières-là. Donc, c'est pour ça que, évidemment, les parcours dans les articles de 51, c'est très bien, mais c'est bien au-delà, quoi. Et il faut vraiment que l'on fasse, parce que ça change le paradigme de pensée. Merci beaucoup. Donc, sous cet angle-là, on a encore du pain sur la planche. Merci beaucoup. On a beaucoup parlé du patient et de l'usager. J'espère que Gérard Raymond est avec nous. Je suis l'assistante en ligne, madame. Il n'a pas l'air. Oui, bonjour. Ah, super. Oui, bonjour.
J'étais sous un pseudonyme. D'accord. Le principal, c'est que vous soyez là. On a beaucoup parlé de l'usager. Oui. Je ne sais pas si vous avez pu un peu suivre. Je crois que tout le monde a employé le mot de confiance. Donc, vous qui représentez les 66 millions de Français usagers un jour ou l'autre du système de soins et aussi les patients, vous avez certainement beaucoup de choses à nous dire sous cet angle-là, confiance et transformation numérique. Oui, bonjour et merci pour cette invitation, parce qu'effectivement, on peut bâtir un nouveau système de santé avec des outils extrêmement innovants et révolutionnaires, mais si l'on ne fait pas participer l'ensemble des acteurs, et particulièrement un acteur qui nous paraît principal dans le système de santé, c'est le patient ou l'usager de la santé, eh bien, on risque effectivement de ne pas y arriver. D'ailleurs, sans revenir sur le passé, mais on peut aussi s'interroger sur les échecs successifs du DMP. Est-ce que véritablement la construction avait été faite avec et pour les patients, ou est-ce que ce n'était pas simplement une construction visionnaire pour les professionnels de santé et les industriels ou les institutions. Donc, effectivement, aujourd'hui, ce qui nous paraît important dans le cadre de la stratégie portée par Dominique Pont et l'ensemble de ses équipes, c'est cette volonté de retravailler sur la participation de l'ensemble des acteurs, de véritablement avoir donné du sens à la stratégie numérique, donner un sens à la française, et cela a été dit plusieurs fois sur l'éthique, sur la volonté de conserver un système de santé fondé sur des valeurs qui sont les nôtres, de la répartition, de la participation, etc. Et ça, c'est pour nous extrêmement important, malgré la différence des nouveaux acteurs qui peuvent arriver. Et donc, la participation des patients et des usagers de la santé était une notion essentielle à la réussite de la mise en place de cette stratégie. Donc, depuis maintenant 4 ans, nous avons travaillé avec nos positionnements, effectivement. Vous savez, le mouvement associatif a aussi ses particularités qui est quand même assez large avec ses représentations et ses postures pour certaines associations. Mais globalement, aujourd'hui, on voit bien, et nos sondages ou nos enquêtes faites auprès de l'ensemble de nos concitoyens le montrent bien, la crise a été aussi un accélérateur de l'adhésion au numérique en santé. On voit bien aujourd'hui que 70% de nos concitoyens considère que le numérique peut être un outil extrêmement intéressant, positif, pour améliorer le système de santé, surtout leur accès à un professionnel de santé. Ils prennent par exemple, évidemment, la prise de rendez-vous. Et donc, on voit bien cette appétence-là aujourd'hui de l'ensemble de nos concitoyens, même si, effectivement, c'est tout à fait normal, en écho aux conditions que pose l'ensemble des représentants des usagers de la santé dont je prends la parole, ils insistent sur la sécurité, sur la participation, sur l'intérêt majeur, effectivement, de l'utilisation des données de santé. Et ça, c'est extrêmement important, bien entendu, sur le consentement. Je pense que nous avons énormément travaillé, ça a été dit, on a comblé certainement en retard ces dernières années, et nous sommes arrivés maintenant avec une organisation, une stratégie qui a été acceptée par tous ceux qui sont convaincus par le numérique en santé, que ce soit certains professionnels de santé, certains établissements de soins, que ce soit par des industriels et autres, fabricants de logiciels, etc., que ce soit aussi par quelques patients qui ont compris l'intérêt, particulièrement certains qui sont atteints de pathologies chroniques, et on vient de voir l'exposé de Madame Adenau qui montre bien combien les dispositifs médicaux aujourd'hui avec des logiciels de numérique sont des supports extrêmement importants à la meilleure prise en charge et à la meilleure participation des patients à leurs soins, et ça c'est extrêmement important. Donc si on a convaincu
ce qui était déjà relativement convaincu, il reste aujourd'hui la grande masse de l'ensemble de nos concitoyens, c'est convaincre 66 millions de Français à utiliser ces nouveaux outils, à se les accaparer. On a vu aussi combien il était important de former les professionnels de santé, particulièrement les professionnels de santé libéraux de premier recours, hein, qui parfois ont un peu de mal, évidemment, à comprendre ce qui se passe. Et j'aime bien l'image qu'a apportée, ou la démonstration qu'a apportée Madame Adenau en disant qu'effectivement, le numérique est en train de fracturer l'ensemble de nos représentations et l'ensemble de notre construction, de notre système de soins. Et effectivement, derrière cela, c'est le modèle économique qui émerge rapidement. Donc, il faut convaincre et les professionnels de santé en les formant, bien entendu, dans les formations initiales, mais aussi dans les formations continues. Il faut aussi, effectivement, aujourd'hui, convaincre l'ensemble de nos concitoyens, ce que nous appelons les usagers de la santé, à se saisir de cette opportunité qui est faite pour eux, qui est mon espace santé. Je trouve très, très, très symbolique le fait d'avoir appelé l'espace numérique santé, pour chacun d'entre nous, mon espace santé, dont il y a une question d'appartenance, et ça a été très bien démontré par Dominique Pont. Voilà, nous aurons notre propre coffre-fort dans lequel nous pourrons mettre l'ensemble de nos données de santé, et encore une fois de plus, avec beaucoup de prudence et beaucoup de responsabilité et d'humilité, comme il dit, il faudra que nous construisions effectivement cette confiance qu'il nous faudra amener auprès de nos concitoyens pour qu'ils s'accaparent de ce nouvel outil, qu'ils en fassent le meilleur pour eux-mêmes d'abord, qu'ils puissent effectivement améliorer leur participation à leurs soins, mais aussi améliorer leur lien avec l'ensemble de leurs professionnels de santé, en premier le médecin traitant, mais pas que. Il y a aussi les établissements, il peut y avoir les spécialistes, il peut y avoir d'autres professionnels de santé. Donc, on voit bien que tout cela doit se construire au fur et à mesure. Et si nous voulons réussir cette deuxième ou énième étape cruciale, me semble-t-il, à partir du 1er janvier, c'est comment nous allons effectivement former, accompagner l'ensemble de nos concitoyens, qu'ils soient professionnels de santé ou qu'ils soient surtout citoyens et usagers de la santé, comment nous allons les accompagner à se saisir de ces nouveaux outils pour qu'ils puissent effectivement être des véritables participants. C'est un défi qui est devant nous. Ce défi-là, il faut que nous le réussissions. Nous avons jusqu'à présent réussi à rattraper l'ensemble du retard. Il faut donc que maintenant nous ayons une vraie stratégie, mais Dominique l'a dit, dans le cadre de la formation des professionnels de santé, il y a déjà une stratégie et des financements. Dans le cadre de l'accompagnement et de l'information et de la formation des citoyens, c'est à bâtir, c'est à faire, et je pense qu'effectivement, les prochaines semaines et les prochains mois, nous consacrerons effectivement à mettre en place une vraie campagne d'accompagnement, d'explication au plus près des gens, aller vers. On a vu que le aller vers pouvait fonctionner dans le cadre de la pandémie. Et bien là aussi, il nous faudra aller vers l'aide auprès de tout l'ensemble de nos concitoyens à l'utilisation de ces nouveaux outils, y compris effectivement dans un premier temps en leur permettant de pouvoir garder des formules anciennes pour ne pas perdre effectivement leur participation. Mais c'est important que ce soit au niveau de l'assurance maladie avec les caisses primaires d'assurance maladie, que ce soit au niveau des régions, que ce soit au niveau des communes, il y ait une vraie pensée stratégique pour aller auprès de tous nos concitoyens, pour leur expliquer en toute transparence, bien entendu, ce que sont que ces nouveaux outils qui doivent leur permettre de mieux s'approprier le système de santé. Et donc, tout ce travail-là, c'est pour, et ça a été dit plusieurs fois, pour gagner la confiance. Il faut que ça ne peut reposer que sur une véritable confiance
de nos concitoyens dans ces nouveaux outils pour d'abord être mieux soignés pour eux-mêmes. Et ça, c'est important, me semble-t-il, dans l'actualité du moment, c'est comment je vais être, moi, mieux soigné et comment je vais pouvoir mieux communiquer avec les professionnels de santé que j'aurais choisi. Et donc, on l'a dit, messagerie sécurisée, identifiant sécurisé, mon coffre-fort, donc tout ça est à mettre en place. Ça, c'est, me semble-t-il, aujourd'hui, une des urgences, et il ne faut pas manquer ce pas qui est devant nous, et les premiers mois de 2022 seront extrêmement importants. On a un autre défi, c'est l'utilisation, cela a été dit à plusieurs reprises, c'est l'utilisation des données de santé. Aujourd'hui, évidemment, on recueille beaucoup de données de santé, on a une plus grande plateforme de données de santé qui est à l'assurance maladie, le SNIRAM. On a aujourd'hui, maintenant depuis plusieurs années, le Hub Data Hub qui recueille l'ensemble des données de santé des établissements de soins. Effectivement, ça fait beaucoup de discussions, ça fait beaucoup d'échanges, beaucoup de représentations sur la sécurité, comment ces données sont sécurisées, sont entreposées, comment surtout on peut les utiliser. Effectivement, il a été mis en place plusieurs même strates de contrôle et de sécurité. Il faut peut-être encore une fois, là aussi, permettre la participation de l'ensemble des utilisateurs et des citoyens à la constitution de l'ensemble des comités ou conseils pour pouvoir mieux anticiper le travail qui est fait sur ces mesures de sécurité et sur la façon dont sont utilisées ces données de santé. Il n'empêche que, effectivement, si nous voulons réussir cette révolution numérique, il est indispensable que l'ensemble des chercheurs, l'ensemble de ceux qui veulent faire progresser la santé dans ce pays puisse avoir une accessibilité à ces données de santé d'une façon rapide. On ne peut plus se permettre, ça a été dit, d'attendre plusieurs années avant d'avoir 4 données de santé anonymisées, sécurisées, etc. Le train est passé et c'est trop tard. Donc, ça aussi, je crois que c'est par la participation citoyenne, dans l'explication de ce que peut être aujourd'hui et demain l'utilisation des données de santé, et Mme Deneau l'a montré, que nous allons aller de plus en plus vers des évaluations grâce aux données de santé, et particulièrement des données en vie réelle, comme on a l'habitude de dire, pour pouvoir évaluer, que ce soit un dispositif médical, une organisation, voire même un médicament. Donc, tout cela derrière, on voit bien, c'est le modèle économique. Donc, on voit bien que ces données de santé sont extrêmement importantes dans le cadre de la restructuration et de la refondation de notre système de santé. Deux défis aujourd'hui, pour en terminer. Le premier, c'est mon espace santé. Comment nous allons effectivement accompagner l'ensemble de la population à se saisir de ce nouvel outil qui est évidemment important dans la transformation et l'amélioration de notre système de santé. Dans un deuxième temps, ou parallèlement, comment effectivement nous pouvons recueillir les données de santé, les sécuriser, les anonymiser, permettre à l'ensemble des chercheurs, que ce soit au niveau national ou même européen, à pouvoir les utiliser. Là encore, deux mots qui sont extrêmement essentiels si nous voulons réussir cette transformation, c'est la confiance, et la confiance ne passe que par la participation et la transparence dans l'ensemble des règles qui géreront et d'un côté mon espace santé et d'un autre côté le recueil des données de santé. Quel est le rôle des associations de patients et de la structure que j'ai l'honneur d'animer à l'heure actuelle? Je pense qu'effectivement,
nous devons nous inscrire dans cette évolution de notre système de santé. Il faut qu'il corresponde, effectivement, cette évolution corresponde à nos valeurs. Il faut que nous puissions, nous aussi, être en capacité de pouvoir donc être des participants à l'élaboration de l'ensemble des règles qui vont gérer et qui vont cadrer le fonctionnement de notre stratégie numérique en santé. Et donc, il faut que nous soyons aussi en capacité de pouvoir nous aussi accompagner l'ensemble de nos concitoyens à mieux utiliser ces données de santé. Donc, je crois que là aussi, nous avons un défi interne au niveau associatif, c'est que comme ce monde se transforme, et on voit bien, particulièrement dans le domaine de la santé, les données de santé, le numérique en santé, va aussi transformer le milieu associatif, parce que si nous voulons continuer à jouer notre rôle de porter la parole des usagers, des communautés de patients, si nous sommes là pour porter effectivement des réponses ou des propositions aux attentes et aux besoins des patients, il faut que nous aussi, nous soyons en capacité de pouvoir nous aussi utiliser ces données de santé, pour pouvoir faire des études en vie réelle, pour pouvoir être aussi des partenaires dans le cadre d'études et d'évaluation de produits médicaux, mais aussi dans l'organisation des soins. Et donc, ce nouveau rôle des associations de patients passe effectivement par la capacité que nous aurons à pouvoir bien utiliser l'ensemble des données de santé dans ce modèle français que nous voulons, c'est-à-dire en mettant en avant les valeurs qui ont fondé notre système de santé, de solidarité, de répartition, mais aussi des valeurs d'éthique, des valeurs humanistes qui doivent évidemment être majeures dans le cadre de l'avancée que nous voulons faire avec les données de santé. Merci beaucoup, M. Raymond. C'est très clair. On a le sentiment que les différentes planètes sont bien alignées et que le mois de janvier, avec la concrétisation de mon espace santé, va être une période passionnante et déterminante. L'heure tourne, donc je vais passer la parole à Anne Smetana pour nous parler du Danemark, si vous êtes là, Anne. Je suis là, oui, merci. Parfait. Vous êtes attachée santé à l'ambassade royale du Danemark en France. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez une connaissance particulièrement approfondie du système de santé danois et surtout des stratégies de digitalisation auxquelles vous avez contribué. Et vous connaissez aussi très bien le système français. Donc, vous allez... D'ailleurs, le Danemark a été cité tout à l'heure en exemple par Dominique Pont. Je ne sais pas si vous étiez déjà là, mais parmi les pays qui étaient en tête de cordée. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion d'entendre Dominique Pont. J'étais très triste de ne pas pouvoir le faire, mais j'avais un meeting avec votre ministère de Santé en même temps, malheureusement. Mais c'est comme ça. Donc, je vous passe la parole pour... Merci. Merci et ravi d'être beaucoup. Là. Et je voudrais bien présenter notre santé numérique et aussi nos expériences avec la télésanté. Et je partage aussi les mots que je viens d'entendre, confiance et transparence, parce que je pense que c'est quelque chose qui est aussi, en tant qu'en France, est important aussi pour le Danemark et le voyage qu'on a fait en numérique. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me montre les slides, parce que je vous ai envoyé les slides. Je pensais qu'Isabelle, que vous allez les montrer, ou non? C'est sans doute plus simple si vous les partagez, mais parce que comme ça, vous les passerez comme vous voulez. À l'ambassade, je n'ai pas le droit d'utiliser notre... ordinateur, alors à ce moment-là, on va le faire. C'est possible de le faire pour moi, merci. Et pour nous, c'est toujours intéressant de faire aussi ce dialogue avec la France, et je peux vous dire que je suis en France pour faire une collaboration aussi dans le domaine de santé entre nos gouvernements
Et c'est sûr que le numérique est quelque chose qui est important pour les deux pays. Oui, tout à fait. Peut-être pouvez-vous commencer à nous parler du système danois pendant oui. que... Je représente le système danois. Vous savez, je représente un petit pays qui, en fait, est comme un département en France, nous, une région. Nous sommes 5 800 000 habitants. Et c'est le slide numéro 3. Et nous avons un système entièrement public de santé. Il y a moins que 2% de nos systèmes d'hôpitaux qui sont privés. Nous avons une couverture universelle. Il y a jamais, c'est le slide numéro 3, il n'y a jamais de l'argent entre nous et un professionnel de santé, oui, si vous voulez bien. Et nous sommes financés par les taxes générales. On paye seulement nous-mêmes un parti pour les médicaments et aussi pour les dents, mais seulement maintenant, c'est devenu gratuit pour les jeunes Danois jusqu'à 21 ans d'avoir la possibilité d'aller chez le dentiste. Et je continue, c'est deux slides encore, pas celui-là, après. Et je trouve, juste, tu voulais bien mentionner qu'évidemment, en Europe et entre le Danemark et la France, on partage le défi d'avoir une population vieillissante et aussi plus de patients atteints de maladies chroniques, qu'au Danemark, plus que 60% sont atteints de maladies chroniques. Et quand je parle de numérique et d'une une population vieillissante, il faut aussi dire que si on est un des pays le plus numérique en Europe, on a beaucoup aussi collaboré avec la société civile. Cela veut dire que les organisations civiles ont aussi aidé à éduquer et garder les talents numériques chez la population vieillissante. Et que même, je peux vous donner l'exemple de ma mère de 85 ans et qui communique avec tous ses petits-enfants, avec nous, même qu'elle est dans une EHPAD. Et ça, c'est grâce à cette collaboration qu'on a eue au Danemark et une longue tradition de collaborer. La suivante. Notre système de santé a été changé en 2007. On a eu une grande réforme et cette réforme a aussi été une réforme numérique. Mais on a au lieu d'avoir 14 départements, aujourd'hui, on a 5 régions qui s'occupent des hôpitaux et aussi des accords avec les médecins généralistes qui sont libérales. Au lieu d'avoir 278 municipalités, on a seulement 98 municipalités. Et une municipalité au Danemark est en moyenne 50 000 habitants. Évidemment, il y a des plus grands, il y a quelques municipalités plus petites. Mais cela a été fait pour donner le rôle de prévention et rééducation aux municipalités pour créer un secteur primaire plus fort parce que dans le futur, on ne va pas avoir un système de santé soutenable avec une population vieillissante. Et oui, et je continue le prochain slide. Et les réformes structurelles a aussi été une réforme du programme des hôpitaux. On a bientôt, dans 2 ans, fini un programme de 16 hôpitaux, nouveaux hôpitaux. Et les hôpitaux, il y a dans chaque région un hôpital universitaire. Depuis les années 80, on a fermé beaucoup des hôpitaux. Aujourd'hui, au Danemark, on a 21 hôpitaux avec surgence. On a 40 hôpitaux pour une population de moins que 6 millions. Et dans les années 80, on avait 128 hôpitaux. Cela veut dire qu'on a voulu construire de nouveaux hôpitaux parce que l'hôpital n'a plus le même rôle aujourd'hui. Un patient dans un hôpital danois reste 2,6 jours en moyenne. On a aussi fait une nouvelle planification de spécialités médicales. Cela veut dire que les régions ne peuvent pas décider que
on va avoir deux endroits où on opère, par exemple les enfants avec des problèmes cardiaques, ça se fait à un endroit, mais ça se fait en dialogue et en toute transparence avec un groupe d'experts à chaque fois. C'est une longue tradition de voir, on a un système décentralisé, mais en même temps, il y a un cadre national assez fort. Et le projet, maintenant, c'était juste pour vous dire que oui, l'hôpital, c'est aujourd'hui pour nous au Danemark un peu comme une cathédrale. C'est une cathédrale qui doit aussi être une phare qui guide et qui fait sentir une sécurité à distance. Ça veut dire que la télésanté, les consultations de télésanté sont très fréquentes dans un hôpital où la moitié de leurs activités, c'est en ambulatoire aujourd'hui. Et en même temps, pour nous, ça a été très important de faciliter de nouvelles façons de fournir des soins de santé et que l'accès aux soins de santé n'est pas déterminé par la proximité d'un hôpital. Je continue. Et le prochain slide. Nous avons aussi, en même temps de faire cette délocalisation des tâches, où on a fait une nouvelle division de travail entre les secteurs. Comme je venais de dire, c'est aujourd'hui aux municipalités de s'occuper évidemment des grands âges, mais aussi du rééducation et du prévention. Et ça veut dire qu'on ne peut pas envoyer un patient en dehors d'un hôpital après deux jours point six si ce n'est pas parce que tout ça fonctionne en numérique. Cela veut dire que la municipalité sait que la personne est envoyée chez lui, le médecin généraliste est aussi informé en numérique, autant que les patients et les proches. On a fait cette transformation structurelle et puis je voudrais bien maintenant viser sur la transformation numérique au Danemark, au prochain slide. Parce que la stratégie numérique actuelle date de 2018 et comme vous avez sûrement aussi dit aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative à la croissance de la coopération digitale, mais ce qui a toujours été très important aussi pour nos anciennes stratégies, c'est de dire que d'obtenir, comme c'est aussi important en France, une meilleure cohérence et aussi une plus grande qualité et une plus grande égalité géographique dans la prestation des services de santé. Et je veux vous en donner des exemples plus tard, si vous voulez bien le prochain. Nous avons 5 objectifs basés sur 27 initiatives très concrètes, et c'est un peu la manière dont on travaille au Danemark. Je viens d'entendre la dernière présentation. Oui, le patient est partenaire actif et je veux aussi revenir avec des exemples plus concrets. C'est évident qu'il doit être une connaissance dans le temps que tous les acteurs et le patient sont informés en même temps, que l'aspect prévention est très important aussi chez nous. Nous ne sommes pas parmi les pays de l'Europe qui sont les meilleurs en facteur de risque. Les Danois fument trop, boivent trop, mais on a des structures de prévention intéressantes où on a un focus aussi de vraiment implémenter, d'avoir dans chaque municipalité des centres de santé qui collaborent avec des médecins généralistes pour changer le mode de vie et en même temps travailler structurellement avec la prévention. C'est sûr que les données fiables et sécurisées sont aussi importantes au Danemark. Je pense que les Danois ont très confiance. Peut-être qu'il y a une différence culturelle entre la France et le Danemark dans ce domaine-là. Je pense que c'est quelque chose qui date
de langue l'entendre au Danemark, mais que aussi à l'école, les enfants apprennent à avoir confiance. Cela veut dire que nous sommes tous numériques au Danemark. Les banques, tout ce qu'on fait avec les banques, comme vous faites en France, c'est numérique. Alors, les patients ne contestent pas que le système de santé a aussi des connaissances sur notre situation parce qu'on a accès nous-mêmes aux données. Il n'y a pas une grande discussion au Danemark sur le fait de contester si les données sont fiables. Je vais revenir à ça, que le patient est un partenaire. Oui, on peut continuer au prochain slide de dire qu'on a différents possibilités et applications où le patient est active. Ça veut dire qu'on a tous une application qui s'appelle Mon médecin, et au lieu d'appeler le médecin et attendre d'avoir une horaire, c'est maintenant à l'échelle nationale, comme vous avez en France, je sais, Doctolib, nous avons à l'échelle nationale Mon médecin, et on a accès à toutes nos données, aussi rapportées par les patients, parce que c'est important d'avoir des résultats rapportés par les patients pour éviter les consultations inutiles et aussi accroître la participation des patients et augmenter aussi la supervision. C'est vraiment important pour nous et on continue à travailler dans ce domaine. Et le prochain, c'est sûr, comme j'ai dit aussi, que les bonnes données concernant les patients doivent être disponibles chaque fois que cela est nécessaire. Et ça a été vraiment un changement du paradigme de dire que les messages sont au partage entre les systèmes locaux et ça fonctionne. Et ça veut dire que si je viens d'être hospitalisée et que je viens chez mon médecin généraliste, il a les mêmes données que le spécialiste à l'hôpital. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne. La troisième, je pense, je veux revenir de ça, de parler de ça, mais oui, on trouve que un traitement plus précoce est ciblé et que là, on peut aussi utiliser le numérique. Et vous le faites en France, on le fait. Je vais vous donner des exemples, comment on travaille avec des technologies qui sont aussi de télémédical et comment on essaie de soutenir les patients atteints des maladies chroniques. Un médecin généraliste au Danemark peut faire une consultation de télésanté, mais en même temps avec le patient et l'hôpital et un spécialiste de l'hôpital. Alors, cela évite aussi pendant une pandémie qu'une personne âgée qui ont des problèmes de santé doivent se déplacer à l'hôpital à une visite chez un spécialiste. Non, il peut être chez lui ou chez le médecin généraliste dans son bled et avoir la consultation d'un spécialiste. Je continue. Au Danemark, on a aussi une stratégie nationale en matière de santé qui remonte jusqu'en 1999. Tous les Danois ont accès à leur propre dossier électronique. On a une plateforme nationale qui s'appelle Santé DK. Il est développé à l'origine par l'association des pharmaciens, mais il a été confié au secteur public il y a plus de 15 ans. Et un tiers de notre population visite aussi sur cette application ce qu'ils appellent Santé DK chaque mois. Et comme les patients, les professionnels ont aussi également accès. Mais ce qui est très important, c'est que c'est uniquement avec l'autorisation du patient. Mon mari est chirurgien français au Danemark et parfois il y a venu
des voisins qui demandaient est-ce que vous ne voulez pas juste regarder sur mon plan. Et ça, ça ne se fait pas. Et ça, c'est le médecin traitant. Et je pense qu'on a 10 cas par an au Danemark où on n'a pas, où il y a des médecins, peut-être en divorce ou quelque chose, qui, d'une manière illégale, ont regardé des dossiers. Et ça, c'est vraiment très, très grave. Et on est très durement pénalisé et on peut presque perdre son possibilité de fonctionner si on fait ça chez nous. On continue, s'il vous plaît. L'application Mon Médecin, c'est seulement, oui, j'ai déjà parlé de ça, mais ça a été évidemment très utile aussi pendant la pandémie qui continue et qui continue aussi chez nous d'une manière grave. On a des tests de laboratoire, des résultats de COVID-19, on a les données relatives aux vaccinations et on peut aussi obtenir des conseils sur le problème de santé mineure. Et évidemment, les parents avec des enfants de moins de 18 ans peuvent aussi voir les résultats de leurs enfants. Merci. Oui, et c'est seulement encore pour répéter que depuis 2016, on a accès à ces médicaments. Et ça a vraiment été un grand travail de développement au Danemark d'avoir toutes ces informations, les prescriptions et les médicaments sur une seule application et qu'on peut renouveler les ordonnances sans aller chez un médecin et qu'il y a aussi un aperçu des achats précédents des médicaments pour être sûr qu'on n'a pas trop de médicaments qui ne fonctionnent pas ensemble et des exemples comme ça. Oui, et l'application Ma Santé, c'est aussi les données personnelles sur la santé, sur les allergies, c'est aussi aux notes dans les dossiers médicaux et électroniques. Et ça existe depuis 2019. C'est toujours des applications nationales. C'est vrai, on est un petit pays, mais ça a quand même été un grand travail entre les différents ministères et tous les partenaires et les acteurs dans le domaine de santé d'accepter de collaborer pour faire pas différentes applications, mais de faire une seule. Et la stratégie, oui, j'ai déjà mentionné tout ça, et là, je vous donne seulement des exemples concrets que qu'il y a 850 000 de téléchargements depuis 2016 et qu'on a 435 000 renouvellements d'ordonnances au cours des trois dernières années. Et puis, je voulais juste, vous pouvez lire les chiffres, mais de dire que cette année, à la fin de l'année, on est en train de faire notre carte d'assurance maladie, qui est vraiment la carte à tout quand on arrive dans un hôpital ou chez le médecin généraliste au Danemark. On fait seulement un scanning de notre carte médicale et on est tout de suite pris dans un ambulatoire ou chez le médecin généraliste. On n'a pas besoin de parler avec quelqu'un. On sait qu'on est là. Évidemment, si on est une personne avec démence, on a de l'aide pour l'utiliser, mais les plupart Danois savent l'utiliser. Et là, on est en train de faire une version numérique de cette carte et aussi à l'échelle nationale, ça va apparaître maintenant. Puis je veux continuer de parler un peu plus de télésanté parce que quand j'ai eu des dialogues avec beaucoup de pays, aussi dans mon ancien travail comme directrice adjointe d'une organisation qui s'appelle Healthcare Denmark, qui a reçu 70 délégations de partout au monde par an, on a beaucoup discuté, par exemple aussi avec l'Écosse, où il y a plein de projets intéressants en télésanté. Et ça, on a aussi vécu au Danemark depuis 15 ans. Et en 2011, on avait dans une région un projet à grande échelle qui s'appelait Telecare North. Et juste pour vous dire, dans les BPCO pour les maladies pulmonaires, que la manière de
d'aborder au Danemark, c'est un peu que si une région a travaillé aussi en pratique et avec la recherche pendant plusieurs années, les autres régions suivent. Ça veut dire qu'avant, on avait aussi plein de projets qui étaient intéressants et qui, quand les projets étaient finis, on disait « Ah oui, c'était très intéressant, mais c'était difficile à les faire grandir au plan national. » Mais aujourd'hui, les cinq régions collaborent vraiment et ça veut dire que c'est fini de dire « Ah, mais parce qu'on n'a pas essayé dans notre région, on est différent, on ne peut pas utiliser cette solution. » Non, on collabore ensemble et maintenant, on a, à l'échelle nationale, c'est mis en œuvre en 2021 pour les PPCO et les projets. Nous avons aussi, ce qui est très intéressant et important, pendant la crise et la pandémie, on a en 2013 créé un centre de télépsychiatrie dans la région sud du Danemark où j'ai travaillé. Et ça a fonctionné en soins depuis 2015. Et cette mission, c'est de fournir une thérapie psychologique diffusée par Internet pour les adultes souffrant de dépression et d'anxiété. Et c'est gratuit. Et ça aussi, ça sera disponible à l'échelle nationale pour les citoyens des cinq régions danoises au cours de 2021. Et c'est aussi parce que là, on a fait des recherches et on a prouvé que ça fonctionne et que c'est une collaboration entre les systèmes de santé et psychiatrie et sociale et aussi et les municipalités et les écoles aussi pour les jeunes. Oui. Un autre exemple est la mise en œuvre nationale des soins de maternité que nous sommes en train de former un dossier numérique sur la grossesse sous la forme d'une application avec les recommandations officielles et les informations médicales aussi du médecin généraliste, de la sage-femme et de l'hôpital. Et juste pour vous dire, ça sera testé, c'est en train d'être testé et ça va mettre en œuvre à l'échelle nationale en 2022. Oui, on continue. Peut-être là tout à l'heure, vous parlez aussi d'intégrer les patients et on essaye dans nos évaluations d'avoir le retour des patients et on sait que oui, ça donne une amélioration de la qualité de vie. On sait aussi qu'on utilise beaucoup quand on fait des innovations de tester chez différents groupes des patients, que c'est facile à utiliser et que c'est mobile. Et on sait aussi que pour certaines personnes âgées, que les familles jouent un rôle très important et c'est important de créer un réseau aussi entre personnes qui partagent des idées similaires. Et ça, c'est vraiment le retour des patients. On a aussi des retours, évidemment, des professionnels qui voient que ça donne un meilleur professionnalisme et dialogue et plus adapté avec les médecins généralistes et les personnels hospitaliers. Je pense qu'en France, vous avez un peu le même système, mais au Danemark, les médecins généralistes, il y a certains de ces médecins généralistes dans toutes nos régions qui ont aussi un travail où ils travaillent pour coordonner le numérique avec les autres médecins généralistes. Ça veut dire qu'il y a un grand focus sur le fait d'éduquer et former les médecins généralistes être aussi numériques que le reste du personnel et de faire collaborer les deux mondes, l'hôpital et médecins généralistes. Et ce que les professionnels nous mentionnent est aussi que ça favorise une plus grande responsabilisation du patient par la communication.
Et au début, il y a beaucoup d'étrangers qui me demandent, ah, mais avec une population vieillissante, est-ce que ce n'est pas un problème? Et je peux vous dire que c'est plutôt, ça peut être un problème social pour certains groupes de jeunes qui ne sont pas très numériques, plutôt que la population vieillissante. Ce qui est intéressant quand on fait de la recherche au Danemark, que ce n'est pas... tous les ans, on voit que le chiffre augmente pour que la population âgée soit de plus en plus numérique. Oui, et puis là, c'est juste pour revenir à comment on développe la télémédecine et c'est seulement de dire oui, c'est passé sur 10 ans d'expérience de projet en télémédecine et que c'est évidemment une question de fournir des connaissances précieuses pour développer vraiment de meilleures solutions modernes. Je continue. Ce qui est aussi au Danemark, devant nous, c'est évidemment qu'il y a de nouvelles opportunités et aussi des avantages que cette collaboration est une pointe de départ solide pour avoir d'autres projets de télémédecine et on essaie évidemment aussi toujours de faire de la recherche et de la recherche qui est aussi la recherche qui est une recherche qui collabore avec la pratique pour vraiment avoir une utilisation optimale des compétences à travers l'ensemble de ce système de santé. Et cela veut dire que le numérique au Danemark n'est pas un supplémentaire, c'est vraiment ancré dans notre système de santé. Et là, j'ai malheureusement pas eu le temps de traduire toutes mes slides en français, mais c'est aussi de dire que ça date de longtemps qu'on a une coopération intersectorielle au Danemark parce que, oui, nous avons des données sur la santé depuis beaucoup d'années et vous voyez que là, il y a cet accès, il y a tous ces acteurs qui collaborent ensemble. Là, le prochain slide, c'est juste pour vous montrer combien d'acteurs qui sont, qu'on travaille sur la médecine des citoyens, qu'il y a, oui, en même temps, l'hôpital et les médecins généralistes, et il y a aussi les pharmacies évidemment, les citoyens et ses proches. Je continue. Ce qui est important à dire, c'est qu'au Danemark, on a arrivé à avoir une infrastructure qui est basée pour le déploiement et l'extension de la télémédecine. Vous le savez, comme en France, nous avons des registres contenant les données de chaque patient dans tous les hôpitaux et cliniques médicales. On a aussi des données respectant les mêmes normes et définitions. Et ce qui est vraiment important, c'est ce numéro de sécurité sociale qui permet de relier les données des différents registres au Danemark, qui nous a donné pas mal d'avantages. Et je continue juste pour vous montrer, qu'on crée des solutions en télésanté. Et c'est évidemment d'utiliser toute cette structure nationale, mais en même temps, utiliser l'infrastructure informatique nationale où c'est unique patient à identifier, c'est un accès sécurisé, c'est une communication sécurisée. Et que même que nous avons un système public, je peux aussi dire que la pandémie, on n'a pas inventé beaucoup de nouvelles choses en informatique ou en numérique, mais on a vraiment utilisé pendant la pandémie la collaboration aussi publique-privée que nos
firmes numériques se sont proposées, par exemple, au ministère de Santé de dire « mais on peut vous aider de vite faire que c'est possible tous les jours de savoir combien de tests, combien de lits aux soins intensifs ». Et ça veut dire que on a utilisé tout le travail qu'on avait avant, mais d'améliorer notre système numérique pour savoir tous les jours à 8 heures qu'on avait toutes les partenaires dans le système de santé les mêmes données pour agir dans une situation de crise. Oui, ici, on continue. Ce qui est peut-être aussi intéressant au Danemark, c'est qu'on a collecté et partagé des données dans l'ensemble du système de santé et que, oui, comme j'ai parlé aujourd'hui, il y a cette possibilité de partager les informations dans l'ensemble du système de santé au Danemark et c'est générique et c'est très important pour nous. Oui, et c'est juste pour vous dire que ça couvre les données de santé danoise sont uniques parce que ça couvre toute la population depuis très longtemps et qu'on a une grande qualité des données et des standards de numérique. Comme je disais au début, c'est depuis 1999 qu'on a des standards pour communication aussi avec les médecins généralistes et ça nous a donné beaucoup d'avantages. On a aussi, si je continue et si je finis... L'heure passe, est-ce que vous pouvez aller rapidement sur les derniers points parce qu'on est déjà très en retard. Oui, j'arrête maintenant. Je voulais juste mentionner que pour les derniers deux slides, oui, qu'on a une plateforme de recherche sécurisée où ce qui est facile à utiliser et où on a cette possibilité d'avoir aussi l'accès aux données comme chercheur et d'utiliser aussi des données de d'autres sources. Et c'était juste pour finir de dire, il y a aussi évidemment comme en France une procédure de demande de données sur la santé mais qui est aussi fait au Danemark, comme en France, je pense, très numérique, où il y a, je pense, un peu les mêmes formes et standards pour demander des données sur la santé. Et on travaille vraiment en ce moment aussi de le rendre... l'accès aux données encore plus facile qu'actuellement. Oui, c'était un peu bref, mais j'espère que vous avez eu un peu une impression de cette société numérique que je représente. Et oui, nous partageons évidemment aussi le voyage, les transitions comment on dit, il y a une expression danoise où on dit c'est pas parce qu'on est là aujourd'hui qu'on reste sur le sofa. Non, l'endémie nous a aussi donné encore plus d'incitament de continuer ce voyage vers le numérique. Et oui, c'est intégré dans notre système de santé. Et merci de votre écoute. Merci beaucoup, Anne. C'est vraiment très intéressant. Merci pour ce panorama très détaillé et d'avoir pris la peine de faire des slides en français, c'est bien agréable. Et je crois que vous nous avez transmis une bonne vision et une vision optimiste parce que le système de santé danois, on l'a senti, est un peu un modèle pour nous. J'ai l'impression qu'en France, on va enfin, au début 2022, se doter des outils, mais qu'il nous reste ensuite à rétablir la confiance et à modifier l'état d'esprit pour que ça fonctionne bien. Donc, j'espère aussi que de ce point de vue-là, la France va s'inspirer du Danemark et bravo pour le travail que vous faites pour rapprocher ces deux pays et en tout cas aider le nôtre à avancer. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Et à bientôt.
À bientôt, au revoir, merci beaucoup. Nous allons rester sur les sujets européens dans le temps qui nous reste, pour, comme Sylvane l'a rappelé en ouverture, on est à la veille de la présidence française de l'Union européenne où les sujets de santé auront, en tout cas, nous espérons, une grande place. Et nous avons le plaisir d'entendre un duo d'européennes, pour terminer, avec Isabelle Zablit, qui est directrice du projet européen international à la délégation numérique en santé, et Petronille Bogart, qui dirige l'unité système d'information de santé de l'Union européenne à Sciences Anno, institution publique belge qui, je crois, illustre parfaitement le concept de One Health qui, en France, a encore bien du mal à se concrétiser. C'est encore un sujet sur lequel on est en retard, mais enfin, ça, ce sera un autre séminaire. Vous connaissez toutes les deux très bien la France et l'Europe. Et commençons par toi, Isabelle. Je te passe la parole sur quels sont les grands enjeux de cette PFUE par rapport à la santé numérique. Même si je sais que tu ne peux pas tout dire puisque le président est demain, je sais aussi que tu vas pouvoir nous dire beaucoup de choses très intéressantes quand même. À toi. Merci beaucoup Isabelle. D'abord, merci beaucoup à toute l'équipe IHEST, à Sylvane. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et en plus, autour de ces sujets qui sont vraiment particulièrement non seulement d'actualité, mais évidemment, nous qui trompons dedans, nous les trouvons évidemment passionnant, tout à fait. Donc, je suis ravie que Petroni nous ait pu également se joindre à nous, ce qui nous permet aussi de croiser nos regards, comme on aime le faire à l'IHEST, sur l'Europe. Alors, juste, Isabelle, en termes d'organisation, comme j'ai entendu quand même qu'il y avait beaucoup de retard, on a combien de temps? Parce que je ne voudrais pas qu'on abuse. Oui, 10 minutes. 20 minutes en tout, donc 10 minutes chacune. D'accord. Alors, je vais quand même vous présenter donc quelques diapos parce que ça va permettre peut-être de visualiser en fait certaines. Alors, je vous priez de m'excuser parce que je vais certainement en passer quelques-unes de manière assez rapide. Alors, comme plusieurs intervenants l'ont dit, on est pour le moment dans une période évidemment un petit peu particulière dans le contexte. Alors je ne sais. Ah voilà. Ah, pardon. Dans le contexte dans lequel nous sommes dans le contexte de la pandémie. J'aurais aimé vous dire post-pandémie, mais malheureusement on est encore dedans. Et elle a été source de beaucoup d'instructions au niveau de l'Europe et en particulier au niveau de l'Europe de la santé. Je rappelle à cet égard que la santé, elle est une matière nationale. Et que l'Europe donc est en rôle plutôt de support et de coordination. Et à l'inverse, on a vu avec la pandémie que cette coordination européenne, elle était absolument indispensable. Et on a pu, et je crois que on avait pu en toucher un petit mot dans le premier séminaire, mais pour ceux qui n'y étaient pas, voilà, on a pu vraiment montrer à quel point l'Europe avait été agile et réactive en fait dans la réponse à la crise. Donc ici, sur la slide, vous avez quelques-unes des mesures et des instruments qui ont pu être utilisés. Ça a eu des conséquences extrêmement concrètes, la création de nouvelles agences européennes ou le renforcement d'agences existantes. Ça a évidemment généré des appels à des fonds européens pour beaucoup de choses, non seulement en santé, mais dans la relance européenne en général. Et puis, surtout, et c'est là où c'est aussi intéressant, le numérique en santé européen était probablement un peu une musique de fond que personne ne voyait beaucoup. Et là, avec la crise, on a vu toute l'importance finalement du numérique en santé dans justement ce rôle de coordination et de support de l'Europe, avec des objets très concrets, puisqu'il y a eu les applications de traçage et le pass sanitaire qui ont été établis dans des temps records. Mais tout ça s'inscrit donc dans un panel qui est assez important. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on regarde, en fait, ce qui nous attend, c'est que pendant la présidence européenne, c'est qu'il y a un certain nombre de textes qui vont arriver, puisque c'est le principe de l'Europe, c'est de fonctionner aussi avec une évolution réglementaire. On a créé un règlement spécifique pour le pass sanitaire, on est en train de le prolonger et de voir comment on va capitaliser dessus.
Et on a une volonté commune qui est, sur laquelle on va devoir travailler pendant la présidence française, c'est les enjeux de souveraineté européenne. Parce que de la crise aussi, on en déduit, et ça a été évoqué notamment par Guy Valencien là tout à l'heure, cet enjeu de souveraineté européenne, il nous a un petit peu explosé, je dirais, à la figure, parce qu'on a vu que sur les domaines pharmaceutiques comme numériques, il y avait des leçons à tirer, encore une fois, de cette crise. Donc ça a fait l'objet d'une déclaration de Ursula von der Leyen, hein, qui a engagé l'Europe à la fois sur One Health, une santé, et puis aussi sur le digital, puisqu'on est rentré dans une décennie digitale, et donc le numérique en santé eh bien, coche les deux cases, j'allais dire, et s'inscrit dans cette dynamique-là. Alors, c'est une vraie réalité, puisqu'il y a des défis de santé partagés qui ont été évoqués, donc je ne vais pas revenir dessus, hein, mais vous les voyez à l'écran, qui ont été évoqués par plusieurs interlocuteurs et sur lesquels nous avons travaillé sur le plan national, mais encore une fois, sur lesquels, au niveau européen, on a de matière à collaboration et à coordination. Donc ici, vous avez les textes européens qui ont conduit à permettre la collaboration au niveau du numérique en santé. Alors, ça se passe par des choses très concrètes qui sont la construction d'infrastructures et aussi la vision sur un demain, j'allais dire, partagé. Et il y a une ambition qui est assez importante, qui est celle de l'espace européen de données de santé. Alors, c'est une ambition très importante. Pourquoi ? Parce qu'elle va permettre, en fait, face à des systèmes de santé nationaux qui sont forcément divers et qui le resteront, d'atteindre cette couche de coordination, de collaboration et, j'allais dire, d'extrapolation, c'est-à-dire de prospective, en fait, sur le futur avec l'espace européen de données de santé. Alors, il a, pour clarifier un petit peu les choses, il a deux périmètres. Hein. Il a le périmètre du parcours de soins, c'est-à-dire l'utilisation primaire des données de santé dans le cadre du parcours de soins. Et puis, il y a ce périmètre secondaire qui concerne en fait l'utilisation des données de santé à des fins de recherche, d'innovation et de politique publique. Donc, on a un texte qui va arriver sous présidence française et qui donc va être donc le rôle de la présidence française, c'est d'orchestrer les travaux. Et donc, nous allons devoir orchestrer ces travaux-là. J'allais dire, la beauté de l'affaire, c'est qu'on ne part pas d'une feuille blanche, puisqu'on a, et je vais revenir dessus, on a déjà en fait une structure préexistante pour l'utilisation des premières des données de santé, puisqu'on a commencé à mailler le parcours de soins. Et on a aussi une structure préexistante pour l'utilisation secondaire des données de santé, parce que en France, le Health Data Hub, qui a été évoqué notamment par Dominique tout à l'heure, est déjà dans presque l'épure de ce que se fera l'espace européen de données de santé, mais qui, vous le comprenez, sera plus large que le périmètre du Health Data Hub aujourd'hui. Néanmoins, le Health Data Hub va être le pilote de cet espace européen de données de santé. Donc, vous le voyez en bas de l'écran et en anglais, j'en suis désolée, mais ça coche plusieurs cases hein, qui doivent être sur lesquelles on doit travailler ensemble. La case de la gouvernance, la case de la qualité des données, la case de la construction d'infrastructures et plus largement du capacity building en bon français. C'est pour ça que l'articulation avec le niveau national, elle est importante. Et lorsque Dominique vous a montré tout à l'heure notre feuille de route nationale, vous avez vu apparaître des drapeaux européens, parce que ça veut dire que dans les couches basses, si vous me permettez ça, c'est-à-dire les référentiels et les services socles qui permettent toute l'interopérabilité du système global, il faut évidemment qu'on trouve l'articulation avec le niveau européen, de façon à ce que la couche supra que l'on va construire dans le futur puisse fonctionner de manière cohérente. Et donc ça, c'est un enjeu et c'est un énorme travail de fond, très humble, comme l'a dit Dominique, hein, sur lequel nous sommes tous attelés à cette tâche aujourd'hui. Alors, extrêmement rapidement, le maillage que je vous expliquais qui constitue en fait un des deux piliers donc, de l'espace européen de données de santé, le maillage des systèmes de santé. Donc, il a déjà pris corps. Il y a 8 pays qui l'ont déjà rejoint.
la France en fait partie. Donc, nous sommes extrêmement fiers de faire partie de ces 8 premiers pays. C'est encore tout neuf, tout chaud, puisque c'est date de juillet et c'était juste au moment où nous avons fait le premier séminaire. Mais donc, ça permet en fait de comprendre que d'ici fin 2025, partout en Europe, on va pouvoir s'échanger des documents très concrets qui s'appellent la e-prescription, le dossier patient, les images et les comptes rendus d'imagerie médicale, les résultats de laboratoire, la lettre de sortie de l'hôpital, des documents cliniques originaux, etc. Donc, tout ça va se cranter à la fois en couverture géographique et à la fois en documents qui sont échangeables au niveau européen. Alors, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement ? Mais ça veut dire qu'un médecin qui prend en charge un citoyen européen, il a accès à ces données dans sa langue quand il en a besoin et toujours moyennant le consentement du patient. Alors, je ne peux pas passer de slide, voilà. Excusez-moi, ça ne fonctionnait pas. Donc, ça, c'est extrêmement important. Donc, la présidence française de l'Union européenne, c'est du conseil, on raccourcit souvent un petit peu, hein, c'est une présidence tournante. On va donc orchestrer ces travaux autour de l'espace européen de données de santé. On nous dit que le texte devrait arriver au printemps 2022, donc dans quelques semaines finalement. Et ce que l'on a bien en tête, c'est que ça va générer un certain nombre de questionnements sur le sujet de la confiance qu'on peut avoir dans un tel espace européen de données de santé. Donc ça va être un angle de travail qui va être assez important pour nous et que nous avons également retiré de la crise sanitaire. Donc, on en retire quoi ? Deux éléments, c'est quelle est la place du citoyen dans le dispositif ? Qu'est-ce que le citoyen va pouvoir voir et avoir, j'allais dire, en termes de transparence, tout en permettant à l'Europe de maintenir son leadership et sa capacité de répondre aux menaces qui sont d'ordre sanitaire, pour le coup. C'est aussi donc l'accès aux soins et la mobilité des citoyens et tout ça, ça entraîne en fait une place particulière pour les valeurs européennes et le rôle de l'éthique. Donc, nous sommes assez persuadés que ça, ce sont des éléments assez importants. Alors, on a mis en place donc un certain nombre d'événements qui vont s'égrener au cours des 6 prochains mois avec des partenaires de l'écosystème. Certains événements, nous les organisons en direct et qui vont couvrir en fait toute cette problématique, cette dynamique autour de l'espace européen de données de santé. Donc, il y a beaucoup de sujets qui viennent à l'esprit quand on en parle. Hein. Donc, ils sont un petit peu là. Il y a aussi une partie de pédagogie, parce que nous sommes persuadés qu'il y a encore beaucoup à comprendre, à apprendre et à écouter. Et c'était très inspirant d'écouter Anne Smetana parler du Danemark, parce que vous voyez bien le rebond entre ce que Dominique a pu vous expliquer tout à l'heure, notamment, si je prends un simple exemple, l'importance d'avoir un identifiant national de santé, sur lequel Anne expliquait par ailleurs que ça a été le déclencheur aussi au Danemark. Donc, vous voyez bien qu'il y a des enjeux et des sujets partagés. Donc voilà, donc 22 événements qui vont nous permettre d'ouvrir nos oreilles et de pouvoir construire ensemble tout ce niveau de coordination européenne qui est absolument nécessaire et qui se fera avec et grâce au numérique en grande partie. Merci Isabelle. Nous allons vivre 6 mois passionnants. Et je suis curieuse d'avoir votre point de vue, Petroni. Qu'est-ce que, en tant que Belge et européenne, qu'est-ce que... Merci beaucoup. Oui, donc juste pour donner un petit peu de contexte. Donc je suis Petroni, je travaille à Cienciano, comme on m'a déjà présenté. Et en fait, je gère pas mal de projets en information de santé. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment les différents systèmes d'information fonctionnent en Europe. Et justement, pour nous, c'est très intéressant de voir les aspects de digitalisation et tout ce qui se passe, ce qu'on vient d'avoir entendu sur cet espace de données de santé européen. Et bien sûr, on est très engagé à ce niveau-là parce qu'en Belgique aussi, on voit l'importance d'être impliqué. Mais avant de discuter de ce point-là, je voulais un peu partager ce qu'on voit dans ces différents projets européens.
Et le premier aspect, c'est que la formation de santé et les données sont vraiment essentielles. Donc, essentielles, vous voyez, dans beaucoup de domaines. On a entendu déjà beaucoup d'exemples aujourd'hui. Donc, ne sont non seulement pour soutenir la recherche, mais aussi pour soutenir les politiques de santé. Et donc, ce qu'on voit dans nos différents projets européens, c'est que c'est vraiment important d'avoir une bonne fondation et d'avoir des systèmes d'information de santé solides. Et le Danemark, par exemple, a donné quelques exemples que pour eux, ça avait changé quelque chose, mais que leur système en fait, de santé était déjà très, très solide, ce qui leur a aidé pour mieux être préparé à la crise. Et ça, c'est ce qu'on a vu aussi dans différents pays européens. Le mieux le système d'information de base est organisé, en fait, le mieux les pays étaient préparés à la crise. Et quand on pense à ça, les aspects de digitalisation jouent un rôle vraiment important. Par exemple, pour avoir des données en temps réel et de vie réelle. Et ça, ce n'est pas facile. Au départ, nos systèmes de santé n'ont pas toujours été rédigés pour apporter des données en temps réel. Et il y a vraiment eu un besoin d'être adapté, en fait, de s'adapter dans ces différents environnements par rapport à la crise. Et on voit que, par exemple, dans beaucoup de pays, au départ, quand la crise Covid a été déclenchée, en fait, les systèmes n'étaient pas toujours captes. Et il y a beaucoup de projets beaucoup de pays qui ont travaillé avec, par exemple, des fichiers Excel. Et la digitalisation a quand même été très importante là pour justement pouvoir automatiser les procès dans un délai très, très court de s'adapter aux nouvelles demandes des systèmes d'information de santé. Donc ici, le point en fait, que je voulais apporter, c'est que c'est vraiment important d'investir dans les systèmes d'information de santé pour la base. C'est vraiment très important pour justement remplir nos besoins et d'avoir cette agilité, de pouvoir répondre à aussi ce changement de besoins dans le temps. Alors ensuite, le deuxième point, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a beaucoup de pays, en fait, la plupart des pays, ont énormément de données. Et pas seulement beaucoup de données, mais des données aussi de bonne qualité. Et en fait, la difficulté qu'on voit dans plusieurs pays européens, c'est la difficulté de lier ces données par rapport à différents domaines. Donc, si on pense aux données qui sont collectées au niveau des soins primaires ou secondaires, ou la continuité des soins des patients. On a déjà parlé donc de l'identifiant qui est très très important et ça c'est vraiment une des choses qu'on voit aussi dans plusieurs pays qui a des difficultés justement de pouvoir lier ces différentes données entre les différents instituts, entre les différentes organisations. Ce qu'on voit, nous, dans nos différents projets, c'est que vraiment, il faut améliorer l'accès des données aux chercheurs dans les pays, mais aussi entre les pays européens. Et nous devons utiliser la richesse de cette information qui est donc dans différentes organisations et différentes entités. Et là, bien sûr, l'interopérabilité des systèmes est très important et l'aspect de digitalisation peut jouer un rôle important pour trouver des solutions pour mieux lier ces différentes bases de données. Donc là, je pense qu'on a déjà parlé un petit peu du Health Data Hub, donc du French Data Hub, qui est déjà un exemple comment on a fait beaucoup de progrès en centralisant les données et de pouvoir justement lier différentes bases de données pour avoir une meilleure vision globale de la santé. Et là, c'est important pas seulement de regarder, par exemple, l'aspect des patients, donc des gens malades, mais aussi de lier ça avec les informations sur la population en général. Donc souvent, quand on pense au système d'information de santé, on pense aux hôpitaux et on pense à tout l'aspect de soins, mais c'est très important aussi de penser aux personnes qui ne sont pas malades. Par exemple, quand on pense au monitoring du COVID-19, c'est très important de voir la population en général. Donc ça, c'est un aspect qui est très important aussi. Et voilà, mon dernier point, c'est parlant de l'espace européen des données de santé, nous apporte en fait une initiative et une opportunité pour les pays de mieux collaborer, travailler ensemble pour permettre la réutilisation des données dans les pays. Entre les pays. Donc, on voit que, par exemple, en Belgique, grâce aux discussions qui ont lieu, grâce à l'espace
européenne des données de santé. En fait, aussi, en Belgique, on est en train de discuter comment on peut mettre en place justement un système pour mieux donner accès aux données. Et ça nous aide aussi de mieux s'organiser dans le pays. Donc, ces initiatives européennes, dans ce cas, sont vraiment importantes pour nous, pour aussi se développer dans les pays. Et on voit que c'est le cas dans plusieurs pays. En Europe entière. Donc voilà, pour nous, les attentes qu'on a pour la présidence française du Conseil de l'Union européenne, c'est vraiment de stimuler cette collaboration entre les pays pour l'échange des données et l'échange d'expertise, bien sûr, parce que ce n'est pas seulement l'aspect de pouvoir avoir accès aux données, mais surtout aussi d'échanger l'expertise. Et dans un des projets que je gère, qui s'appelle FIRI, par exemple, on a mis en place ce qu'on appelle un Rapid Exchange Forum, donc un forum d'échange rapide. Et là, en fait, on voit qu'il y a vraiment une valeur ajoutée de pouvoir échanger entre les pays parce que, par exemple, quelles sont les mesures qui vont être mises en place dans votre pays la semaine prochaine. C'est très important pour les différents directeurs dans les instituts de santé publique, mais aussi bien sûr les ministères, de pouvoir échanger sur ça pour mieux être préparé, parce que bien évidemment, une mesure qui est prise dans un pays a un impact sur tout le reste de l'Europe. Donc c'est très important de pouvoir échanger sur l'expertise, les données et les mesures qui sont prises d'un pays à l'autre. Donc pas seulement bien sûr pour le Covid, mais en général pour la santé. Et voilà, donc pour nous, nos attentes sont vraiment de continuer à soutenir et la mise en place de l'espace de l'européenne des données de santé et vraiment de soutenir l'importance d'échanger les données, l'expertise entre les pays européens. Voilà, merci. Merci beaucoup, Pétronille. C'est effectivement très intéressant de voir comme il y a une dynamique européenne et que chaque pays a un impact sur les autres et positivement. Et je suis sûre que les attentes des autres pays vont aider la France à faire avancer pendant la PFUE, hein, Isabelle. Je vois sur le chat, Isabelle, que tu souhaiterais répondre à la question, puis tu veux peut-être aussi nous dire quelques mots de conclusion. Oui, alors simplement pour rebondir sur ton commentaire maintenant, Isabelle, quelque chose que nous constatons un petit peu tous les jours, c'est que chaque pays est avancé sur certains sujets et en retard sur d'autres, et réciproquement. Donc, je pense que c'est important de l'avoir en tête, parce qu'il ne faudrait pas, et franchement, de manière la plus objective possible, je ne pense pas que la France soit en retard sur tout. Hein, c'est pas non plus un hasard, par exemple, que le ESAT Hub soit pilote de l'espace européen de données de santé. Et je voyais qu'il y avait une demande de commentaire sur la place du citoyen. Et bien là, pour le coup, je crois que Dominique l'a un petit peu abordé tout à l'heure, mais on a accordé vraiment une place, j'allais dire presque nouvelle, aux citoyens dans l'évolution du numérique en santé, puisqu'on a commencé par des Tours de France. Il y a aujourd'hui des comités citoyens qui font entièrement partie de la gouvernance du numérique en santé en France. Et lorsque nous faisons état de l'avancement de notre feuille de route tous les 6 mois au Conseil national du numérique en santé, toutes les parties prenantes de l'écosystème y assistent. Donc, je crois que cette manière d'avancer de manière extrêmement collective et voire de co-construire dans le cadre du Ségur avec les éditeurs de logiciels, comme l'a également expliqué Dominique tout à l'heure, c'est assez innovant. Et certains pays nous demandent comment vous avez fait pour mettre, je veux dire, tout le monde en ordre de marche comme ça. Donc, en fait, voilà, il y a vraiment des choses à prendre de partout. Et c'est ça qui est extrêmement riche chaque fois qu'on écoute un autre pays, c'est effectivement de pouvoir s'enrichir. Et le fait que nous ayons les événements dans lesquels beaucoup d'intervenants seront européens au cours de 6 prochains mois. Moi, je le vois comme vraiment une super fenêtre d'opportunité pour le coup, pour que nous puissions collectivement nous enrichir. Alors, effectivement, dans le chat, je voyais qu'il y avait une question, presque un constat, en fait, de dire, mais comment est-ce possible qu'aujourd'hui, ce soit moi, finalement, qui soit la courroie de transmission entre tous les professionnels de santé dans le cadre de mon propre parcours de soins? Est-ce que c'est bien normal d'une part, et est-ce que ça pose pas des questions, j'essaie de retraduire en synthèse, hein, presque, par exemple pour des personnes qui sont moins à capacité de faire ça. Alors pourquoi on en est là aujourd'hui? Parce que justement il n'y a pas de fluidité de l'information dans le cadre du parcours de soins. Alors on a un projet emblématique qui s'appelle Mon Espace Santé, mais ça va aller bien au-delà de ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment
où le patient est reconnu de la même manière dans les différents systèmes d'information et que donc ils sont communicants, donc interopérables, c'est un petit peu le sujet, mais derrière lequel se cache aussi tout des vocables techniques, et donc je ne voudrais pas rentrer dedans, mais à partir du moment où on met en place par ces couches basses les socles et les référentiels dans le système de santé, ça va changer. Ça va changer de deux façons en fait complémentaires. C'est que d'une part, toutes les informations qui aujourd'hui sont en papier et qui sont souvent, nous sommes nous-mêmes, j'allais dire l'âne qui porte le papier d'un endroit à l'autre dans le cadre de notre propre parcours de soins, eh bien tout ça sera toujours en papier si nous le souhaitons, mais sera obligatoirement digitalisé, présent dans le dossier médical du patient et accessible par les professionnels de santé. Donc, en fait, ça veut dire quoi ? C'est que le circuit de l'information va être un circuit court et sécurisé et que le professionnel de santé, on va parfois gagner 2 semaines, 3 semaines, 1 mois pour que l'information passe d'un professionnel de santé à un autre. Et là, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire une bien meilleure qualité de prise en charge, une accélération de la prise en charge du patient et un accès bien plus qualitatif aux données de santé. Donc, ça va changer complètement, j'allais dire, le paradigme hein, de la manière dont se passe aujourd'hui le parcours de soins. Il va y avoir des nouveaux usages et il va y avoir surtout une qualité qui n'existe pas aujourd'hui. Il y a évidemment une première période transitoire de rattrapage. Oui, mais en fait, on est très, très, très positivement étonnés parce qu'avec tous les incitants qui sont mis dans le cadre du Ségur numérique, donc qui sont des fonds européens, je vous le rappelle, les éditeurs sont en train de mettre tout ça en place à très grande vitesse, de manière presque surprenante pour nous. Donc, voilà, on va voir le Conseil du numérique en santé la semaine prochaine. Il y aura certainement un bilan qui va être fait. Mais je dois dire que tout l'écosystème, quand même, joue vraiment le jeu et a compris l'intérêt collectif que nous avions à jouer le jeu ensemble. Merci beaucoup. On est très en retard. Je vais passer la parole à Sylvane pour quelques mots de conclusion. Mais avant, vraiment… Désolée pour le retard, mais je crois que c'est parce que tout le monde avait tellement de choses à dire. C'était absolument passionnant. Et en tout cas, moi, j'en repars avec une vision beaucoup plus optimiste, là, une grande bouffée d'optimisme. Ça fait du bien. Et donc, vraiment, merci à tous les intervenants. Et Sylvane, je vous laisse la parole pour conclure. Micro, on ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Pardon, je n'avais pas mis le micro. Ça va mieux, là ? Je disais d'abord merci vraiment chaleureusement à tous les intervenants. Effectivement, les informations qu'ils nous ont données étaient passionnantes. Moi, j'ai appris énormément de choses que je ne savais pas. Donc, une des vertus de ce séminaire, ça aura été d'accroître, je pense, les connaissances des uns et des autres sur vraiment cette mise en place du numérique et cette transformation numérique. Moi, je retiens deux ou trois idées simples. Ce que nous disait le professeur Valencien, on est devant un changement de paradigme. Et ce changement de paradigme, il n'est pas seulement technique. Et là, ça vient d'être souligné par Sylvie Rousseau et par Isabelle Zabit. Il est aussi humain. Donc, Isabelle, pour filer ta métaphore, l'âne qui est obligé d'apporter ses données partout, et ça, c'est catastrophique parce que, évidemment, c'est partiel. Bon. Mais cet âne, il faudra quand même qu'il parle au médecin, même s'il y a toutes les données sur un ordinateur, parce que personnellement, j'ai envie de donner ma perception au nouveau médecin qui me verra, et je n'ai pas envie qu'il ne se fie qu'à ce qui sera écrit, parce que je ne sais pas comment il va l'interpréter. Donc, ça, et c'est ce que disait aussi le professeur Valencien, l'échange est nécessaire. Le numérique est nécessaire, il va apporter, et vous l'avez bien montré, énormément d'avantages et de progrès dans la santé, mais l'échange sera aussi nécessaire. Donc, je pense que ça sera peut-être un sujet qu'il faudrait... Il faudrait peut-être faire un volet 3 sur cet aspect-là, parce que ce n'était pas complètement l'objet aujourd'hui. Il fallait déjà vraiment savoir où on en était sur le plan de la mise en œuvre et sur la manière dont la France et l'Europe s'appropriaient cette,
ce sujet, mais je pense qu'il faudrait un volet 3 sur précisément l'appropriation des citoyens, la relation médicale avec le numérique, comment est-ce qu'on peut l'envisager. Et je pense que ça a été effleuré parce qu'il n'avait pas beaucoup de temps par Gérard Raymond. Ça a été en filigrane à peu près dans toutes vos interventions. Et puis, ça a été souligné par la question de Madame Rousseau en finale. Et ça, bon, vraiment, on n'a pas encore eu la question, trop de temps pour creuser le sujet. Mais pour le reste, je crois qu'on ressort vraiment très enrichi. Et un grand merci à tous. Et je vous libère parce que, effectivement, comme le disait Isabelle, nous avons 20 minutes de retard. Donc, je vous souhaite une excellente soirée et d'excellentes fins de fête d'année. Fête de fin d'année et préservez-vous de la...